Bonjour. Wow, vous êtes hyper nombreux. Merci beaucoup d'être venus. Ce soir, donc, c'est la première édition de l'année 2019 des écoles de la SRF. Alors, j'ai ma petite anti-sèche parce que j'oublie toujours des choses. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, les écoles de la SRF sont des masterclass, pardon, classes, donc gratuites et ouvertes au public. Merci donc encore une fois d'être venus. Qui sont donc organisées par la Société des réalisateurs de films. Alors, la Société des réalisateurs de films, c'est une association qui est née dans les années 68, à la suite des États généraux du cinéma, et qui est à l'origine de la création de la quinzaine des réalisateurs et du Festival du moyen-métrage de Brive, que nous saluons à chaque fois. Le but de l'association, c'est à la fois donc, de défendre le droit des cinéastes, de la liberté de création, et aussi de se battre pour une culture, pardon, accessible au plus grand nombre. Voilà. Pardon pour le petit pitch, mais c'est toujours un peu. Voilà. Ce soir, on est ravis d'organiser, ou plutôt de co-organiser cette école avec la SACD. Donc, voilà. Ici représenté par Guillaume Prieur, qui est donc le directeur des affaires institutionnelles à la SACD. Et la SACD, qui est partenaire de ces écoles depuis le début. Donc, on vous remercie vraiment grandement. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup Marie pour cette présentation. C'est vrai que c'est impressionnant d'avoir tout ce public. La SACD est aussi très heureuse d'accompagner cette belle initiative, en tout cas. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la SACD, donc c'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. C'est la plus ancienne société d'auteurs au monde, puisqu'on a été fondée en 1777, donc on commence à être très vieux, par Beaumarchais. Et on est aujourd'hui ce qu'on appelle, dans des termes un peu technocratiques, une OGC, un organisme de gestion collective. Mais en fait, on n'est pas que ça. On est avant tout une société de service aux auteurs, et puis une société de service aux jeunes auteurs et aux jeunes autrices, parce que j'en vois beaucoup parmi vous. Donc vous avez tous vocation plus tard si vous embrassez une carrière de scénariste, de cinéaste, de réalisateur, en tout cas, à nous rejoindre. On a deux vocations, en fait. On a une première vocation qui est d'aller percevoir les droits et évidemment de les répartir après. Et puis une vocation aussi à proposer un certain nombre de services. Je pense en particulier à toute l'action culturelle qu'on peut développer. On a un certain nombre de fonds, d'aides, de soutien, de bourses qui sont à votre disposition. Alors, je ne vais pas tous les égrener parce que ça prendra un peu trop de temps, mais je vous invite plutôt à aller sur le site sacd.fr sur lequel vous trouverez tous les renseignements utiles. Et puis on a aussi une vocation qui est une vocation plus politique, finalement, pour défendre la création, pour défendre le droit d'auteur, la rémunération, et puis d'avoir une politique plus culturelle qui soit ambitieuse en France comme en Europe. Et au moment où je vous parle, il y a une réunion très importante au niveau européen, justement pour décider de ce qu'il y aura ou de ce qu'il n'y aura pas dans la directive sur le droit d'auteur. Et en train de se jouer des choses très importantes, notamment sur ce qu'on appelle la rémunération proportionnelle des auteurs et sur le droit pour les auteurs, finalement, de pouvoir être associés à l'exploitation de leurs œuvres quand leur œuvre est disponible sur un support quel qu'il soit. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un combat très facile et que toutes les énergies doivent être mobilisées. Et puis, c'est des combats européens, c'est des combats français, évidemment, parce qu'on a besoin, par exemple, d'avoir un service public de qualité qui investit dans la création. On a aussi besoin d'avoir un centre national du cinéma dont les financements ne sont pas abaissés. On a besoin aussi d'avoir une politique de soutien et d'accompagnement de l'écriture. Et là, on en revient directement à la thématique de la soirée. C'est effectivement un enjeu extrêmement important. Dans quelques semaines, on va sortir avec le CNC une étude qui sera une étude qui est évidemment publique et consultable sur notre site et le site du CNC, justement sur la rémunération de l'écriture en audiovisuel, en fiction, comme en cinéma. C'est une étude qui permettra de donner une photographie de l'existant, et puis évidemment après d'essayer de construire des pistes pour améliorer l'accompagnement dans l'écriture. Et pour ceux qui, parce que ça c'est important, il y a quand même 10 000 euros à la clé, ceux qui ont fait un film l'année passée qui est sorti en salle de cinéma et dont le budget était inférieur à 4 millions d'euros, vous avez une aide quasiment automatique auprès du CNC. Il suffit d'avoir un nouveau projet en cours de développement et vous avez cette somme de 10 000 euros qui vous est due. En fait, il vous suffit d'aller. Voilà. Non, mais
c'est important parce que ça, c'est effectivement ce qui va permettre d'enclencher éventuellement un projet sans avoir besoin forcément d'un producteur à ce stade-là. Et voilà, il y a 10 000 euros qui vous attendent et c'est quasiment automatique. Donc si vous avez un film de moins de 4 millions d'euros de cette année en salle, bah, allez frapper à la porte du CNC. Voilà, donc j'ai été beaucoup trop long, j'ai beaucoup trop parlé et donc je vais plutôt rendre la parole aux auteurs, ce qui est toujours important. Bah, merci beaucoup. Admirable. Écoutez, on va laisser la parole à nos deux invités qui sont gentiment là, Thomas Bidguin et Céline Sciamma, voilà, qui sont là. Allô. Salut. 1, 2. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on va commencer par se déshabiller, c'est toujours bien. Bienvenue à Deux Chaises de Bouteille, un podcast en réalité virtuelle de la SRF. Non, oui, on s'est mis cette petite contrainte avec Thomas, qui est en fait une contrainte pour le début de cette conversation, mais qui en réalité est plutôt une ambition, parce que sans médiateur, c'est une conversation, et donc il y a forcément quelque chose de l'ordre de l'instant qui se passe, et puis l'échange. De l'échange, d'une plus grande intimité. Le plus dur, c'est de commencer. Voilà. Mais on s'est mis ce challenge parce que c'est aussi, d'ailleurs, un peu le principe fondateur des écoles de la SRF. C'est pas une masterclass de plus, c'est aussi des échanges entre collègues, entre camarades, parfois entre amis. C'est pas le cas, on n'est pas encore amis, voilà. Mais on espère être amis à la fin. Il faut pas exagérer non plus tout, quoi. Mais du coup, on va se lancer, puis surtout, vous allez nous lancer aussi à un moment ou un autre, parce que cette salle est incroyablement pleine. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi pleine depuis 1986, d'ailleurs. Et du coup, on vous donnera la parole à un moment, et si vous sentez d'ailleurs qu'on... On est trop long. Voilà, vous pouvez aussi... Agitez-vous, levez la main, et il est possible de poser des questions avant qu'on vous y invite. Tout à fait. Ça serait bien même. Ça serait chouette de votre part. Donc voilà, ça va s'établir sous l'ordre d'une conversation. On a établi un truc, une règle, c'est que la première question, c'est Céline qui la pose. Et donc, je crois que je vais me tourner vers Céline. Alors, comment ça... Pardon, salut. Pas de question. Non, mais bah justement, je vais essayer de poser une question qui va direct nous décaler et nous mettre sur les rails, parce que peut-être de s'éviter... De s'éviter nos trajets respectifs et de parler directement de travail et de pas commencer par un préliminaire qui serait se raconter d'où on vient, comment on est venu à l'écriture. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, qui est juste, c'est juste parce que c'est la première, c'est pas profondément celle que j'ai le plus envie de te poser, mais qui est une façon à la fois de raconter un truc de biographie sans passer par lieu de naissance et parcours de vie, mais c'est si on te demandait, et donc je te le demande, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Qu'est-ce que tu dirais? Ok, c'est simple. Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma, enfin toujours, depuis que j'ai 12 ans ou comme ça. En fait, j'étais à l'école juste à côté, rue Saint-Benoît, et mon meilleur copain, sa mère était ouvreuse. C'était une époque où il y avait encore des ouvreuses au cinéma. Et où c'était encore un quartier ici. Et c'est donc il y a très longtemps. Et donc, elle était ouvreuse à l'Action Christine. Et elle nous est rentrée. Et donc, de 8-9 ans jusqu'à 20 ans, j'ai vu tous les films qui sont passés à l'Action Christine. Tous. Et elle nous tamponnait les trucs. Après, on allait à toutes les autres, dans toutes les autres actions. Mais c'était, du coup, une cinéphilie assez étroite. C'était vraiment les films des... les films des studios des années 30 à 60, un peu 70, mais ce n'était pas encore le revival 70, on était dans les années 80. Voilà. Et donc, un jour, j'ai vu La Nuit des Chasseurs et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et donc voilà, ensuite, j'ai toujours travaillé dans le cinéma, j'ai été distributeur, j'ai fait plein de choses. J'ai produit des films, j'ai travaillé aux États-Unis un peu. Mon premier travail, c'était aux États-Unis, j'étais distributeur. Puis ensuite, j'ai travaillé chez MK2, j'étais distributeur chez MK2. Entre-temps, j'ai produit des films. Enfin, voilà, bon, j'ai fait ce genre de trucs, des petites choses. Et puis un jour, j'ai écrit un film. J'avais une idée. Ça faisait un an que j'essayais de monter un film. Et il y a un type, on déjeune avec un chef-op qui dit « Ouais, je reviens de Los Angeles. » Tom Richmond, c'était un chef-op super, qui avait fait Killing Zoe, tout ça, tu vois, c'était cette époque-là. Et qui dit « Je reviens de Los Angeles et
on a fait un film en une semaine et avec Naomi Watts, je sais pas quoi, j'ai même pas ce que c'est ce film, mais j'étais là, merde, moi, ça faisait un an que j'essayais de monter un truc pour Why Not, et je leur ai fait faire perdre plein d'argent. Et je me disais, merde, comment est-ce qu'on fait pour faire un film en une semaine, alors que moi, ça fait un an. Et donc, j'ai cherché une histoire pour écrire. Et puis, j'ai trouvé un bout d'histoire. Puis, je l'ai écrite comme ça. Et 3 jours après, j'ai déjeuné avec un réalisateur et son producteur. J'aurais raconté l'histoire et ils me l'ont acheté. Et après le repas, le producteur me rappelle et me dit, ça nous intéresse, on t'achète l'histoire. Tout ça. Ils l'ont acheté, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en 9 jours. C'est un tout petit film qui s'appelle The Château. C'est avec Paul Rudd, avec Sylvie Testu. C'est vraiment un truc un peu curieux, réalisé par Jesse Peretz, qui est un réalisateur américain, mais qui était tourné en France. Enfin bon, voilà, c'était l'idée d'un film. Je n'avais même pas écrit un scénario, j'avais écrit des situations. Tu vas avoir, je ne sais pas quoi, 70 situations. Je me suis dit, s'il y en a 20 bien, ça va faire un film. Vraiment, mais c'est le premier film que tu écrivais, parce que le premier film que j'ai écrit, la boîte de prod, c'était en tant que producteur. Non, c'était pas producteur. En tant qu'auteur. Ah ouais. Ouais, et j'étais vraiment pas un bon producteur. J'étais un distributeur, ok, mais comme producteur, j'étais nul, parce que le pire qu'on peut attendre d'un producteur, c'est de se mettre entre le projet et l'auteur. Et moi, j'étais toujours là, ah non, il faut réécrire ça, ou je ne sais pas quoi. Enfin, j'avais des idées qui n'étaient pas bonnes. Et quoi qu'il en soit, donc j'ai écrit ce truc, ça, je l'ai vendu tout de suite, puis j'en ai écrit un autre. Et j'ai eu l'aide au développement, je sais pas quoi, je l'ai vendu à un producteur. Et donc je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire ça pour moi. Et voilà, je crois que le troisième truc que j'ai écrit, c'était Un prophète. Et donc ça allait assez vite à partir. Tu n'avais jamais écrit avant? Tu n'étais pas même pour toi? J'avais écrit si, adolescent, tu vois, des trucs avec un copain en buvant du gin, tu vois, l'histoire du roi, ou je sais pas quoi, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, mais des trucs vraiment très adolescents. Je vois, moi c'était l'histoire de la reine, mais je vois. Voilà, voilà. Et c'est des trucs très adolescents qu'on peut faire comme ça avant de rentrer dans la vie active. Puis après, non, j'étais dans le business du cinéma. Et puis. Et je trouvais ça super, mais je ne me voyais pas écrire. Par contre, ce qui était pas mal, c'était de voir beaucoup, comment ça se fabrique, les films, par la production, et puis comment ça se vend. Ça, c'était vraiment un truc, et jusqu'à aujourd'hui, ça m'aide vachement cette idée de se dire, quand on est distributeur, on se pose une seule question, c'est pourquoi quelqu'un va dépenser 10 balles pour aller voir ce truc. C'est vraiment la seule question qu'on se pose toute la journée. Et donc, cette question, plus on se la pose tôt, je crois mieux c'est. Donc quand on se la pose au niveau dès le scénar, c'est plutôt bien. Et je vois, c'est vraiment un truc qui, même maintenant quand je travaille avec des réalisateurs, c'est un truc qui m'aide beaucoup et que une question que je me pose tout de suite. Et ça vient effectivement d'une vision un peu business du truc. Et donc c'est là que j'ai commencé à écrire et je devais avoir, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 30 ans. Un truc comme ça, voilà. Ouais, donc le premier truc que tu as écrit, c'est un truc qui était concret, parce que il y a toujours cette idée de j'écris depuis toujours. C'est pour ça que je pose la question comme ça, parce que par exemple moi aussi, la première fois que je me dis j'ai commencé à écrire quand j'ai commencé à être lu en fait. Ouais. J'ai pas commencé à écrire avant. Enfin avant, je pouvais dire j'écrivais des bouts de trucs. J'ai même, je sais pas, j'ai des préambules de choses que j'ai écrites à 17 ans qui existent notes, toujours. C'était des notes ou des scènes. J'ai des scènes de natation synchronisée que j'ai écrites à 18 ans et je me dis ah bah voilà, ça a donné ça. Mais quand même, j'ai quand même le sentiment d'avoir commencé à écrire à partir du moment où c'était concret. Donc soit bon, moi, dans mon cas c'était l'école de cinéma, mais donc en fait à partir du moment où t'es lu ou enfin regardé ou acheté ou qui est extrêmement un truc matériel, mais qui a un peu à voir avec le cinéma, je pense. Mais moi, j'ai gardé un truc de ça, d'avoir écrit, parce que je me souviens, je me suis pas dit, tiens, je vais écrire une histoire, qu'est-ce qui me tient le plus à cœur, et comment je vais réfléchir à, je sais pas quoi, à mon oncle, pourquoi il était pas sympa avec moi, ou je sais pas quoi. C'était pas un truc perso, c'était un truc, comment on fait un film en une semaine? Et c'était vraiment ça la question que je me suis posée. Donc en réfléchissant comme ça, j'ai même pas eu l'impression d'écrire. J'ai l'impression de résoudre un truc, tu vois. Et surtout, c'est un truc ce que je fais encore, je vois, c'est de réfléchir au film avant de réfléchir à l'histoire. De se dire, ah, c'est quoi ce film? Ben, c'est un film qu'on fait en une semaine. Bon, alors c'est quoi? Et là, on va réfléchir, on va trouver une histoire, on va trouver un truc. Je pense que si je m'étais demandé, c'est quoi le truc qui me tient le plus au cœur, ben, je pense que je serais encore en train de l'écrire, tu vois. Mais donc, cette idée de réfléchir au film, de dire, c'est quoi la proposition et comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on arrive à ça en étant, voilà, là, c'était une comédie, tu vois, donc en étant drôle, ou en étant, je sais pas quoi, avec des situations marrantes, avec des trucs un peu inattendus. Et je vous conseille de voir ce film. Je pense qu'il y a une salle comme ça, ça suffit à doubler le volume des gens qui ont vu The Château. Mais voyez-le, c'est marrant. Et donc voilà, c'était cette idée de se dire, pas de partir de l'histoire et d'un truc ou de sentiments ou de choses comme ça, mais partir du film. Et ça, même encore, c'est un truc vraiment que
que je fais. Je crois que c'est comme ça que j'ai eu le boulot sur, sur Un prophète, parce que c'est Jacques avait reçu un scénar ou un truc, c'était, qui était l'histoire de Malik, le même personnage, mais ça commençait pas en taux. Ça commençait un peu en prison, mais c'était 20 minutes en prison, et puis après il sortait, il faisait ses trucs. Et là c'était pareil, quand on réfléchit au film, enfin moi j'ai réfléchi au film, j'ai dit non, et quand Jacques m'en a parlé, j'ai dit non, ce qu'il faudrait, c'est qu'il reste tout le temps en taux. Il rentre à la première image, il sort à la fin, ça fait un cadre dans le cadre, ça fait un film, on verra l'histoire. Mais donc voilà, c'est cette idée de réfléchir. Et ce sera un film de prison, on n'a pas vu avant. Et puis voilà, et, mais c'est réfléchir au film avant de se dire les histoires. Après, on les trouve, tu sais ça comme moi, j'imagine. Et on trouve le voilà, on va trouver les ressorts, les trucs qui vont faire que ben il rentre à la première image, il sort à la dernière. Et entre temps, il a fait un tas de trucs fantastiques, tu vois. Mais surtout si on a du temps comme ça, comme dans une histoire comme ça. Mais ça, c'est ce truc que j'ai gardé de ça, c'est de penser vraiment au film, quoi. Mais je crois quand même que globalement, c'est un peu un malentendu de penser, enfin, ou alors c'est un folklore un peu romantique de penser que l'injonction de faire du cinéma, ce serait une injonction d'expression intime et personnelle, ouais, de quelque chose qui nous tiendrait profondément à cœur, qui serait nous, qui serait la vérité profonde de nous-mêmes et qui viendrait rencontrer la vérité de ce que doit être le cinéma. On est toujours un peu à se poser des... Enfin, il y a beaucoup de... Globalement, quand on a envie de faire du cinéma, c'est parce qu'on aime le cinéma, c'est pas d'abord parce qu'on est drivé. Enfin, il y a des gens peut-être qui sont drivés par un impératif personnel. Oui, qui ont besoin de s'exprimer. Mais cet impératif personnel, il rencontre le cinéma, il rencontre pas une autre forme, il rencontre pas la littérature, il rencontre pas... Donc s'il y a un sentiment de vocation, il est quand même globalement toujours lié à l'amour des films et à la pensée du cinéma comme dans sa forme profonde, qui est genre à la fois bah voilà, comment ça se fait, puis comment ça se trans, comment ça se regarde, comment ça se transmet, plutôt que par un sentiment qui serait une chose à dire. Oui, absolument. Et puis en plus, je pense que le fait même qu'on doive l'écrire, que de toute façon, on va se le torturer, à un moment, il va falloir se le cogner, et ben quand on écrit, de toute façon, ça devient personnel. Et des fois, personne ne le sait, ou personne n'a besoin de le savoir. Mais voilà, on va écrire des trucs, les gens ne vont pas le voir, il y a des tas de paravents. Et en plus, moi, je pense que c'est presque ça, l'idée du cinéma, c'est quel paravent on va construire pour mettre des choses personnelles dedans. Parce que de toute façon, le processus d'écriture est un truc qui est... Bah, tu peux amener que tu vas amener ton manger, quoi. Et donc tu vas amener que ton expérience personnelle, que il y a un personnage, il est comme ça, ouais, mais mon frère il était pas, voilà, puis ça va être ton frère, sauf que dans le film il va s'appeler je sais pas quoi, le gitan, et voilà, et personne saura jamais que c'est ton frère, mais voilà. Et ça de toute façon, le processus fait qu'il est révélateur en lui-même, je crois vraiment. Mais y compris peut-être cette place, parce que le scénariste, il a une place de transitionnelle, c'est-à-dire qu'il il participe à l'œuvre, mais ce qu'il écrit, possiblement, ne sera jamais lu. Enfin, n'est qu'un objet de communication. C'est ça. Moi, je ne peux pas écrire pour être lu. Donc le fait de faire grand... Non, mais d'être lu par les gens qui vont... Oui, bien sûr, on va être lu par les 12 personnes qui vont faire le truc, mais tu as écrit des bouquins? Non, non, j'ai pas écrit des livres. Toi, oui? Non, j'ai écrit une fois un truc, mais j'ai honte. Enfin, tu vois, mais je le ferai plus. On peut savoir. Non, mais c'est vraiment cette idée d'écrire pour être lu, c'est un truc complètement bloquant. Alors que le cinéma, quand on écrit pour le cinéma, d'abord, c'est quand même très formaté. Michel, François, scène, extérieur, un truc. Voilà, et c'est très formaté. Et donc, ça permet vraiment de se cacher derrière, quand même, je trouve. Moi, quand on écrit pour soi-même, mais ouais, ça, c'est... Ouais. Pour toi, c'est une œuvre très différente d'écrire pour toi-même? C'est des rituels différents? Oui, parce que quand même, globalement, écrire pour soi-même, enfin, en tout cas pour moi, écrire pour soi-même, c'est écrire seul. Alors que toi, je sais pas. Moi, c'est écrire avec Noé ou avec... Là, j'écris avec une jeune fille qui s'appelle Valentine Monteil, un deuxième film, mais oui, c'est écrire aussi avec quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai du mal à écrire seul, vraiment. Ouais, quand j'écris seul, je peux passer la matinée à me demander... je sais pas quoi, est-ce qu'elle prend le bus ou est-ce qu'elle prend le train? Alors je vais regarder sur internet les trajets, je sais pas quoi. Je vais passer la matinée à faire des conneries comme ça. Alors qu'à deux, tu vois, je dis, je sais pas qui, alors elle prend le bus, mais ah ben non, t'es con, évidemment, elle prend le train, parce que dans le train, je sais pas quoi, il y a des bars, n'importe quoi. Ou, là, il faut qu'elle aille, voilà. Et donc, c'est ça. Et puis de toute façon, une demi-heure après, on aura changé, elle prendra le bus. Ça n'a aucune importance. Mais tout seul, je peux me faire des montagnes de trucs comme ça. Mais t'as pas un. Mais quand t'écris. T'as pas un surmoi, un truc non, qui t'aiderait? Non, mais un plaisir, non, mais parce que c'est des sensations aussi quand même. C'est pas juste ce dont on. Ouais, bien sûr, c'est des protocoles qui sont. Mais t'as pas un. Même quand t'écris pour les autres, t'as pas un plaisir à écrire seul pour les autres?
Si, après, il y a un moment d'écriture qui est seul. Et c'est vrai que même et quand j'écris pour moi, ça, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où je reprends le truc qu'on a fait ensemble. Et puis là, à un moment, je me mets et je dis, bon, OK, ça va être un film. Donc, voilà. Et là, je décide de prendre le bus et prendre le train. La maison est bleue, la maison est rouge. Je décide vraiment des trucs. Et puis, je réécris minutieusement. Ça me prend beaucoup de temps. Mais je le fais vraiment. Et c'est un exercice solitaire, ça, pour le coup. C'est un moment de solitude. Et depuis de temps en temps, mais c'est vraiment ce travail d'écriture, presque de polish, ça j'aime bien le faire seul, parce que c'est vraiment un travail d'écriture, pas de construction, pas de scène, pas de truc, c'est vraiment maintenant il faut que ce qu'on voulait mettre dans cette scène ressorte, donc ça y est, on a trouvé, on a réfléchi, on s'est dit cette scène c'est ça, maintenant il faut l'écrire bien. Et ça c'est toujours un truc d'écrire bien. Quand même, je trouve que y a un plaisir à le faire. Il faut être vraiment à l'intérieur du truc et on voit bien, même quand on travaille avec des gens, on voit bien ceux qui écrivent bien, quoi. Moi, je méfie tellement des gens qui rendent 8 pages en 2 jours, tu vois. Ça, hey, plein de pages comme ça, pff, c'est jamais bien, quoi. Il faut toujours repasser derrière. Ça prend du temps d'écrire bien, quoi. Vraiment, il faut se lire, relire et puis il faut réécrire, quoi. Et ça, c'est un exercice un peu solitaire. Ouais. Et pour moi, c'est un peu le seul. Bah en fait, ça veut dire que le plaisir, globalement, ça, c'est quand tu es concentré. Alors après, tu peux arriver à être concentré tout seul. Ouais, et toi, tu y arrives. Bah, toi aussi, quand il s'agit de faire, d'écrire bien, par exemple. Ouais. Ou alors, tu peux être concentré. Pour te concentrer, tu as peut-être besoin de quelqu'un d'autre, quoi. Mais pour autant, ouais. C'est peut-être quand même les mêmes. Je veux dire, c'est pas si étranger. Enfin, c'est les mêmes. C'est des chemins, ouais, pour arriver à peu près au même état, quoi. Non, c'est vrai. Mais moi, je vois vraiment ça, le cinoche, comme un sport collectif, quoi. J'ai vraiment ce sentiment. Alors, à un moment, quand c'est ton film, à un moment avec des mans, c'est toi qui tiens le drapeau et c'est toi qui porte le truc. T'es seul. Mais quand même, quand t'écris pour les autres, quand tu vois, même quand j'écris avec Jacques, on a passé vraiment des années, des années, des années à écrire ensemble. C'est collectif, quoi. Il y a un truc de quelqu'un va te repasser dessus, toi tu peux repasser sur quelqu'un, on peut en discuter, tu peux appeler quelqu'un à 2h du matin, enfin il y a un truc, c'est des angoisses partagées quand même. Et ça, tu vas absorber les angoisses des autres, ça tu sais. Et puis voilà, mais c'est un sport collectif pour moi. Vraiment. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un sport collectif qui a des règles hyper bizarres parce que il est tellement collectif que. Bah c'est un sport qui se joue tout seul, puis à 2, puis d'un coup à 10, puis d'un coup à 50, puis d'un coup à 2, puis d'un coup à 3, puis d'un coup à nouveau. Et à la fin, tu es tout seul. Donc c'est un sport à fond, un sport collectif, mais dans le temps, c'est tellement mouvant la taille de l'équipe, et il y a peu de trucs qui sont comme ça, en vrai. Que bah, pour moi, c'est un truc un peu de pervers polymorphe. C'est quand même que tu peux quand même globalement, tu as le droit de tout vivre, quoi. Tu as le droit de vivre la solitude, l'entraide, l'adversité. C'est pas parce que tu es nombreux que tu es forcément ou solidaire, tu vois. Et que c'est comme des espèces de phases de solidarité à plus ou moins grand nombre qui ont du coup leur saveur, leur fatigue, leurs limites. Ouais. Mais. Moi, j'aime bien, en tout cas, dans l'écriture pour les autres, ça, c'est sûr qu'il y a un plaisir, un grand plaisir à être dans une discussion qui est la plus vivante possible. Mais ça, c'est génial. Moi, je trouve ces moments-là de discussion de cinéma, mais même avant que l'histoire arrive, ou quand l'histoire reste une espèce de nébuleuse, comme ça, ça va être l'histoire de ça, de Michel et Françoise, et je sais pas quoi, et Michel va perdre son boulot, et Françoise va sortir de prison, je sais pas quoi. Et puis voilà. Mais elle prend le bus quand elle sort de prison ou... On va réfléchir. Pour aller dans sa maison bleue. Alors, est-ce qu'on va savoir, est-ce qu'elle s'évade, est-ce qu'elle sort parce qu'elle a fini sa peine. Mais bon, et à ce moment-là, quand on se dit, quand on parle du film et qu'on a juste un bout d'histoire comme ça, c'est vraiment un moment qui est magique, puisque ça, c'est vraiment un moment, c'est qu'une conversation de cinéma. Ça, j'adore ce truc, quand on définit ce que ça va être le film. Le film, ça va être ça. Ça va être un film de foire, ça va être un film de je sais pas quoi, un truc. J'adore ce moment-là, là, qui va durer une semaine ou 4 ou 8. Ça c'est vraiment un beau moment, parce qu'ensuite, ça va vraiment faire le cerveau reptilien du truc. C'est-à-dire que même un an et demi plus tard, 2 ans après, on sera toujours en écriture et on va se dire « Ah ouais, mais tu te souviens ?» C'était un film qui fait peur. Ah ouais, c'est vrai, on s'était dit aussi, parce qu'il y avait ça, on avait ça comme référence, tu te souviens, on n'arrêtait pas de parler de ça. Ah ouais, là, là, là. Et puis, tu vois, et ça, c'est vraiment formidable, parce que l'histoire, elle va se plier à ça.
elle va se plier au désir de film qu'on peut avoir. Et ça, c'est ce moment-là où on crée ce truc-là, et je trouve qu'il est, il est magique. On n'est jamais assez payé pour ce moment-là, parce que c'est vraiment là que tout se décide. Ensuite, c'est un boulot, il faut prendre le truc. Après, il y a un truc mécanique un peu de l'histoire et du truc. Mais ça, ce moment-là où c'est vrai, ça devient vraiment un film, ça, c'est, je trouve qu'il est béni, ce moment. Vraiment, toujours, toujours. Il y a pas de, j'ai pas de contre-exemple où oh, c'est chiant, finalement, c'est pas bien. Je sais pas. Mais donc, ouais, moi, je prends beaucoup de plaisir à ça, à ce début d'histoire-là. Puis c'est, on a une architecture, puis ensuite on va s'arranger pour que les ronds rentrent dans les ronds, les carrés dans les carrés, et tout ça. Mais ça, c'est de la technique, quoi, je trouve. Mais c'est plus du rêve, je ne sais pas comment dire. Et ça dure combien de temps, si tu devais un peu, pour renseigner nos amis ce soir, un peu timer ouais, une chronologie de fabrication un peu exemplaire pour toi, enfin, qui ressemble à ce que tu as fait ces derniers temps. Tu vas me dire après, mais moi je pense qu'il y a ce moment-là, où il y a le moment, un truc qui va germer. Alors ça dépend si c'est l'idée de quelqu'un d'autre ou si quelqu'un vient te voir avec une idée, c'est quand même ce qui arrive le plus souvent. Mais si on a une idée, on va arriver à ce truc-là, ça va mettre, c'est on compte en moi, je pense, en moi, de cette idée qui va germer, qui va être ah, ça va être ci, ça serait ça, et pourquoi on ferait pas ci, ça. Et puis, ou même si on a une idée géniale à un moment, et puis le temps qu'on se mette à l'écrire, on se dira, ah oui, voilà, et qu'on voit qu'elle elle tient un peu l'épreuve du temps. Donc ça, c'est un truc qui va se décider en mois, je pense. Et ensuite, on va réfléchir au film. Ça va se décider en semaines. Je pense ça va être 1, 2, 4, 5, 8 semaines. Et puis ensuite, on va se mettre à l'écrire. Et ça va être en mois, voire en années. 1 ou 2, des fois 3. Voilà. Et c'est comme ça, c'est à peu près ce truc-là. Et avec toujours, je ne sais pas si ça te fait ça, mais moi j'ai vraiment ça, même maintenant. C'est-à-dire que tu as toujours le sentiment que l'évier va se vider d'un coup et que pff, tout ça, ça va se faire. Pff, évidemment, ça, je l'écris, ça va prendre. Et c'est tout le temps, il faut passer à tout ce que tu crois qu'il ne va pas se faire en un jour, se fait en une semaine. Tout ce que tu penses va se faire en une semaine, se fait en un mois. Et tout ce que tu crois se fait en un mois va te prendre un an. Et ça, c'est un truc, c'est une règle, même maintenant, hein, c'est même après en avoir fait plein, tu sais que c'est toujours tellement plus long que ce que tu imaginais. Et ça fait partie du truc. Je ne sais pas si ça fait ça. Moi, j'ai eu le sentiment, j'ai compris ça, mais ça a mis du temps de me dire, bah, ça fait partie du boulot, tu es en retard. On est en retard. C'est un truc des scénaristes, on est en retard de truc. Et on est en retard. En début, on a des excuses. Puis après, on a des excuses. Et puis après, on est vraiment très, très désolé. Et puis on ne les prend plus au téléphone. Et à un moment, on est beyond excuses, quoi. Et à ce moment-là, et puis après, on est très emmerdé, puis on rend, et puis quand on rend, on espère que ça sera bien, du coup. Mais on se met une pression folle en faisant ces trucs-là, non ? Tu as vécu ça ? Si, c'est sûr. Après, moi, c'est vrai que dans le temps, j'ai un peu arrêté j'essaye de pas écrire trop de projets au même moment. Après, j'ai créé les conditions de vie qui font que c'est possible. Voilà. mais ce truc-là, d'avoir plusieurs timelines dans la tête qui, en vrai, en plus, sont toutes, finalement, oui, un peu plus hasardeuses que prévues. Et surtout quand on bosse sur des... Parce que moi, j'ai remarqué que quand je bossais avec des... Déjà, j'ai beaucoup moins coécrit que toi. Donc, j'ai un corpus... T'as beaucoup plus écrit pour toi. Surtout. Oui. J'ai un corpus du coup plus restreint, mais j'ai remarqué que quand je travaillais avec des gens confirmés, dont c'était pas le premier film, en tout cas, et pas le deuxième, parce que le deuxième c'est bien coton aussi, mais genre, je sais pas, Téchiné, etc., il y avait quelque chose qui était beaucoup plus ritualisé, beaucoup plus clair, ou les timings, y compris même les timings des producteurs, hein, c'est-à-dire le moment où ils pensent qu'ils peuvent aller chercher de l'argent avec les choses, etc., beaucoup, beaucoup plus clair que sur que quand tu travailles avec quelqu'un de jeune. Enfin, de jeune, en tout cas, on est jeune jusqu'à 50 ans dans le cinéma français. Plus tard, parce que moi, je travaille avec Jacques, et qui est très jeune, et les délais, c'est pareil, avec Jacques, parce qu'on va écrire un truc, puis évidemment, à un moment, il va dire, bah, c'est de la merde, c'est naze, bon, ça marche pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on s'était dit, là, il va falloir trouver une idée pour le remettre lui en selle et remettre le projet en truc. Donc là, c'est là où vraiment on devient scénariste. Et puis on va le réécrire. Et puis ça va arriver 2 ou 3 fois dans le parcours, quoi. Et donc, c'est des trucs, c'est toujours long. Enfin, peut-être on s'est trouvé là-dessus. Hein. Mais tu vois, Un prophète, c'était 3 ans. De Rouille, c'était 2 ans et des bananes. Dipane, ça a été long, mais c'était entrecoupé.
Et les frères sisters, c'était un peu entrecoupé aussi. Et ça nous a mis bien 2 ans et demi aussi. Tu vois, donc, à chaque fois, c'est des processus longs. Oui, oui. Mais tu es face au biorhythme de ce metteur en scène-là qui va remettre le travail sur l'ouvrage. Alors, ça, c'est ma mère qui appelle. Je suis pas là. Je suis pas là. C'est pour Céline. Excusez-moi, je fais mon téléphone. Mais non, ça va. Mais quand tu sens que c'est soumis, parce que la différence sur un premier film où il n'y a pas encore de l'ignorance de soi-même, de jusqu'où on est capable d'aller, quel est son, enfin moi comme j'ai beaucoup en fait, au final je réalise j'ai beaucoup surtout coécrit avec des gens qui débutaient, c'est normal ma génération, enfin voilà. Je me rends compte que c'est des processus qui peuvent en tout cas là d'un coup prendre des années, mais pas avec l'autorité possible de ce que c'est que de remettre le travail sur l'ouvrage parce qu'on y retourne, parce qu'on n'est pas suffisamment de nous satisfait, mais parce qu'il y a tout un écosystème qui réclame une forme plus comme ci ou plus comme ça, qui soit moins de la volonté. Il faut l'inventer, il faut savoir qui on est. Et ça, je trouve que quand même, c'est pas le même boulot d'écrire pour des gens dont c'est la première œuvre et des gens qui et je trouve ça plus facile d'écrire pour des gens plus facile pas dans le sens dans mon travail à moi ou dans mon mais comme dans en tout cas dans le rapport au temps à la confiance que tu donnes au temps et au fait que le temps va être bien employé si t'en prends plus avec des gens plus confirmés plus qu'avec des toi t'as accompagné des gens sur leur premier film. Oui, moi c'est vraiment même une honte et j'aime bien le faire et c'est vraiment un truc que je fais tous les ans, un ou deux premiers films vraiment. Et mais tu vois maintenant que toi t'es plus confirmé tout ça, quand tu travailles avec des gens qui font leur premier film, il y a quand même un moment où tu leur dis ça, tu les sors de leur vision, tu dis oui, là c'est bien. Et là, ils vont passer à l'étape d'après, tu vois, quand même, tu as cette autorité. Bien sûr, oui, maintenant, oui. Oui, ouais. C'est sûr. Du coup, je ne le fais plus. C'est vrai. Non, j'espère bien continuer à le faire. Mais moi, je le fais, je pense qu'il y a un truc de recherche et développement qui est vraiment super. Moi, ma peur, c'est de me retrouver avec des gens qui sont vieux, de faire le cinéma, de me retrouver, mais ça m'arrive des fois de Je vais pas beaucoup aux avant-premières, aux dîners ou des trucs comme ça. Et ma peur, c'est des fois, je me retrouve, ça m'est arrivé, tu te retrouves là et tu te dis, merde, je suis dans le cinéma français. Ça y est, oh là là. Et puis, mais c'est comme si j'étais petit, tu vois, et que j'étais au dîner, il y avait Richard Berry, je sais pas quoi, ou tu vois. Je dis, oh merde, je suis dans le cinéma français, il faut que je parte d'ici. Et ma peur, c'est de me retrouver un jour, je sais pas quoi, d'avoir, je sais pas quoi, voilà, certains auteurs qui m'appellent et tu peux pas dire non parce que c'est le patrimoine ou je sais pas quoi, et d'être très emmerdé dans ce truc-là en disant non. Alors du coup, j'essaye vraiment de faire plein de... Moi, je l'ai fait avec Clément Cogitor, avec... et là, j'accompagne vraiment. Là, j'essaye de pas écrire, vraiment, parce que j'ai l'impression que si on écrit pour des gens dont c'est le premier film, on va aller... ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, c'est-à-dire ça sert à rien pour moi de le faire. Et ni pour eux, alors que le truc super c'est qu'ils écrivent et puis dire ah ouais mais ça c'est super, mais ça pourquoi tu fais pas ça comme ça, ou ça tu crois vraiment, puis des fois ils vont nous convaincre que c'est super alors que c'est pas du tout comme ça qu'on fait. C'est ça le côté recherche et développement, dire mais évidemment on était cons, on faisait ça, je faisais ça différemment avant alors que ça c'est super, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc on apprend des trucs en faisant ça, en les laissant eux avancer et faire les trucs à leur façon. Et donc, il faut ces trucs-là d'accompagnement. Moi, je fais ça un peu tous les ans. Je le fais là avec un type qui s'appelle Elias Belkedar, qui a eu un prix avec son court-métrage l'année dernière à Cannes. Et qui, voilà, et qui essaie de développer ça. Hein, et donc, c'est pareil, je le laisse écrire. Et puis après, je passe derrière. Et puis, on a mis beaucoup de temps à trouver un traitement. Et puis... Mais même quand on fait un traitement, j'écris pas. Je dis voilà, ça pourrait être ça, mais ça pourrait y avoir tel. Quand on fait de l'architecture d'abord, je le conseille et tout ça, et puis il revient avec un truc écrit. Et puis là, on réfléchit. Et puis on a fait 5, je crois, ou 5 ou 6. Donc ça prend du temps, mais c'est cool. Il faut qu'il passe par là, je trouve. Ouais, moi, je fais pareil. C'est le seul moment où j'écris pas, c'est quand j'écris avec des gens. J'écris pour mes aînés, mais j'écris pas pour les gens qui sont plus jeunes que moi. Mais par contre, tu es dans un accompagnement qui est sur du scénario jusqu'à quasiment la sortie du film. Quoi. Bah, tout à fait. Jusqu'au montage, jusqu'au mix, je sais pas. Espèce d'ange gardien. Ouais. Exactement. Tu regardes un peu des rushs, tu fais des trucs. Je fais ça avec Clément. J'ai fait vraiment ça sur Ni le ciel ni la terre. C'était vraiment là, le traitement 1, traitement 2, traitement 3.
je fais ça sur un deuxième film, même sur le deuxième film, du coup, ça, on a pris ce rythme-là. Et puis voilà, je l'ai fait avec Elena Claude sur un film. Après, c'est plus dur, les films, ils se font pas, c'est plus compliqué. Ouais, moi, la plupart des films se sont pas faits. Bah, voilà, sur les premiers films, t'es un truc. Et même sur les premiers films, tu te demandes si c'est bien qu'il y ait ton nom dessus. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. Tu vois ? Ouais, moi je mets pas mon nom d'ailleurs. Ah bah ouais, moi aussi. Et alors, les producteurs, ils sont toujours contents parce qu'ils disent ah, on a le tampon, on est dans, je sais pas quoi. Et tu dis non, c'est mieux, il vaut mieux pas. Parce que moi c'est pas grave, tu vois, on le mettra à la fin ou on le mettra pas, ou on fera, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Remerciements rémunérés, par exemple. Ouais, voilà, exactement. Et merci, un grand merci à mes parents et Thomas Bilguin, ou un truc comme ça. Et à ma mère et Thomas Bilguin, pour que ça fasse jaser. Ouais. C'est bizarre. Et il y a eu jeune. Pour tout ce qu'ils ont fait. Mais donc, ouais, c'est pas grave de pas avoir son nom. Mais j'ai l'impression, moi, que souvent, ça dessert d'avoir un nom, d'avoir le nom de quelqu'un un peu connu dans le scénario. Sur un premier truc, tu vas au CNC, tu le passes, le mec se dit, ah ouais. Je sais pas quoi. Enfin, je pense que c'est pas super. Ça donne une fausse idée. On va avoir l'impression que tu l'as écrit. On a l'impression que tu as vraiment guidé le truc. Alors qu'en fait, non, tu étais là pour accompagner, pour faire éclore quelque chose. Ça reflète pas du tout le travail, tu vois. Et on dit, ouais, c'est le truc, il y a ton nom sur un machin. Et ils vont pas lire le deuxième nom. Enfin, voilà. Je crois que c'est pas une super idée. Mais les producteurs, ils aiment bien. C'est toujours, les producteurs, ils veulent toujours avoir des noms pour faire les trucs, non ? Oui. Un peu. Le tien. Mais toi, quand tu écris pour toi, tu as toujours écrit tes films, tu les as toujours écrits seul ? Ouais, entièrement seul. Toujours ? Toujours, mais aussi parce que... Même pas, tu fais des consultes ou des trucs comme ça ? Non. Du tout ? Tu fais pas lire non. à un camarade, à un truc ? Non, aussi, je le fais, si tu veux, tu me dis. non, je fais lire une fois que... Je fais lire à ma productrice, voilà, qui est mon interlocuteur là-dessus et qui est une très bonne lectrice. C'est qui ? Elle s'appelle Bénédicte Couvreur. Ah oui, je vois. Et une fois que je suis contente, je peux faire lire à une ou deux personnes. Voilà. Mais c'est déjà en parti en financement, globalement. Mais ça, c'est on est sur une V3 et c'est parti en financement. Ouais. Mais y compris parce que, comme moi je mets du temps entre chacun de mes films, quand même, à chaque fois, il y a 4 ans, 5 ans, enfin pas à chaque fois, mais bon, il y a entre 3 et 5 ans. Entre-temps, j'ai beaucoup travaillé pour les autres, et j'ai un espèce d'effet de saturation, parce que je globalement, ça veut dire que moi je mets du temps à m'autoriser à y aller pour moi, puis on est pris dans justement des écritures, des engagements auprès d'autres qui sont importants, donc il ne s'agit pas que c'est pas qu'ils nous encombrent, mais c'est qu'il faut... Il faut aller au bout pour avoir l'espace, un peu de, même ne serait-ce que de rêvasser de temps en temps. On est un peu aussi occupé par les histoires des autres. Et que du coup, globalement, je vais toujours un peu trop loin. J'atteins mon point de frustration du travail collectif qui fait que c'est à ce moment-là qu'intervient l'idée qu'il faut y aller pour soi. Et du coup, il y a un effet de solitude qui se met directement en place, qui est la couveuse, quoi. Et qui est tout le temps que j'ai pas pu employer à rêvasser. Et à rêvasser, c'est tout seul, quand même. Moi, j'ai l'impression que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit... Enfin, pour ma pomme, moi, c'est pareil. Tu vois, j'ai fait un premier film. Je sais pas quoi, j'ai écrit pour les autres pendant des années, des années, des années avant de faire un premier film. Puis là, je m'étais dit, c'est super, j'adore ça. En fait, je vais en faire un autre. Puis en fait, j'ai écrit pour d'autres gens. Et puis maintenant... Et je pense que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu n'en peux plus des histoires des autres. Tu les écartes pour écrire la tienne. Mais surtout, je crois qu'une fois que tu commences à écrire la tienne, tu perds tellement l'intérêt pour les histoires des autres que c'est difficile après de travailler pour les autres. Moi, je crois que ça marche vraiment dans les deux sens. Il y a qu'une fois, enfin, moi, ça me fait ça. Là, tu vois, j'écris pour moi, vraiment sérieusement. Et j'ai un mal fou à m'intéresser aux histoires des autres. Enfin, je les ai, mais je suis à distance. Ouais, moi, je ne cumule jamais, j'arrive jamais à écrire un truc pour quelqu'un d'autre si je me suis lancé. Donc, je sais que quand je me lance, il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est des fins de des queues de comètes de trucs. De trucs, parce que ça, vous verrez, c'est on sait quand ça commence, c'est pas trop quand ça termine. Et ça, on peut vous appeler 2 ans après, le téléphone sonne et on vous dit « Hey, tu te souviens ?»
passion d'automne. Ouais. On repasse au truc. C'est on a trouvé Michel et Françoise. Ouais. Michel et Françoise, tu te souviens pas, elle était en prison. Ah si, si, ben, bien sûr, elle était en prison. Mais alors, par contre, tu te souviens pas du tout si elle était sortie de prison parce qu'elle avait creusé un tunnel avec une pince à ongles. On décidait que Michel était, allait devenir Michel-e. Ouais, exactement. Et on s'est dit que ça changeait pas grand-chose, mais si tu pouvais repasser dessus. Et là, tu tombes sur un type qui est passionné vers ce truc, qui pendant les 2 ans n'a pas arrêté de gamberger et qui dit, mais oui, bien sûr, je me souviens pas. Ça, c'est... et donc voilà. Mais et donc c'est que de comète là, ça vous rattrape comme un plat de choux, quoi. Vraiment. Et voilà. Donc là, moi, il me reste ça. Il me reste des fins de trucs, tu vois. C'est compliqué. Et c'est compliqué de s'intéresser aux histoires des autres une fois qu'on s'est vraiment lancé dans les siennes. Je crois ça. Ouais. Non, mais parce qu'il faut trouver des raisons pour faire les films, quand même. Vous voyez. Non, mais c'est vrai. Ben oui, oui. Il faut vraiment trouver ça, il faut trouver des raisons d'être motivé. J'ai l'impression que ce truc marche des fois et puis il ne marche pas trop. Et quand je dis un truc intéressant, vous ne l'entendez pas. Dès que je dis n'importe quoi, là, c'est... Alors là, vous êtes toutes oui. Mais non, mais c'est vrai, il faut trouver des raisons. Et donc, c'est ça qui va faire. Moi, je trouve... L'autre jour, tu m'as posé une super question, mais je vais te la poser maintenant. À quel moment c'est vraiment désagréable d'être scénariste? À quel moment c'est vraiment... t'aimerais faire autre chose? Les moments où t'es malheureux, ouais, d'écrire. Parce que quand même, globalement, même si moi je suis pas très romantique sur le travail, c'est-à-dire d'ailleurs, j'ai pas de... Enfin, je considère que c'est un boulot, quoi, qu'on le fait tous les jours, chacun selon ses rituels. Moi, je commence jamais à écrire avant midi. Je profite de ma matinée. J'aime dormir le matin. Ça fait partie de ce pourquoi j'aime bien faire ce taf. Ça, c'est pour les points positifs. Mais voilà, tous les jours, à partir du moment où on a un job, moi, je vais écrire de 12h à 19h et pas déroger et pas me dire est-ce que je suis inspirée ou je sais pas quoi, mais le travail, quoi, le travail. Et pourquoi je te disais ça? Parce que je te disais, oui, je suis romantique sur un truc. Parce qu'il y a des trucs pas marrants. Ouais, des trucs pas marrants. C'est quand on est... Pour moi, c'est quand il y a un sentiment de... Quand il y a un sentiment de frustration, en fait. Quoi. Je crois que globalement, c'est toujours ça qui est le plus désagréable dans la vie. Quoi. Je préfère être triste que frustré, vous voyez, par exemple. Je préfère être dans... C'est un sentiment de frustration parce que tu n'arrives pas à... Parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se terminer et ce n'est pas toujours de ton fait, d'ailleurs. Et que ce qui rend le plus... les moments où tu n'aimes pas faire ce job, c'est quand tu as l'impression que, justement, il y a une perte de sens et que ce sens, il a pu se diluer dans le temps, il peut se diluer dans le dialogue que tu as avec un film, pas un metteur en scène. Ça ne m'est jamais arrivé. Je me suis jamais dit, genre, oh là là, mais... Le mec et, ou la meuf, et non, pas du tout. Mais un film qui perd sa raison d'être, qui, pour des raisons multiples, qui peuvent être des raisons aussi de production, de genre d'un coup, au casting, on a décidé de prendre Machine, parce que du coup, ça va être des choses qui d'un coup font perdre cette espèce de truc qu'on se disait. Ouais, ta chaussure, le truc qu'on a décidé au début. Au début, qui était ça, et que d'un coup, il y a quelque chose qui se compromet, mais pas dans le sens d'une pureté, parce que c'est dégoûtant. Et au contraire, on fabrique que des choses qui sont hybrides. C'est très bien qu'il y ait plein d'injonctions qui rentrent là-dedans. Hein. C'est pas du tout pour dire qu'il fallait garder l'idée du diamant brut qu'on avait au début quand on a commencé, mais qu'il y a quelque chose qui s'use et où d'un coup, ça peut être. On a le sentiment que c'est beaucoup sur ses épaules et que c'est pas tout à fait et qu'il y a une lassitude de ça, quoi. Enfin, ça, c'est. Mais c'est parce que ça demande souvent. Je sais pas si ça te fait ça, mais ça demande une énergie. Ça demande une énergie pour garder. On se décide, ça va être ce truc. Et là, on le voit, il est rond, il est là, c'est un objet parfait. On va écrire l'histoire et puis là, on va être vraiment porté par cette énergie de la définition du film qu'on a eu au début. On va faire ça pour une V1, on va faire ça pour une V2, on va être avec le réalisateur, on va être vraiment... on va porter ce truc. On a convaincu un peu le truc. Et puis à un moment, ça va se pervertir pour une raison ou pour une autre, parce que je sais pas quoi, le CNC dit « c'est vraiment nul ». Parce que je sais pas quoi, parce qu'une actrice a dit ah ouais mais là franchement le rôle de Brigitte n'a aucun intérêt, ou parce que je sais pas quoi et pour plein de raisons, ou parce que la productrice pour plein de raisons ce truc va se pervertir. Et là ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est de refaire un objet rond avec ce truc qu'on confronte à la réalité. Et pourtant confronter à la réalité, c'est vraiment le truc chouette, mais c'est difficile quand on est scénariste. On va porter ce truc là qui va être un objet vraiment théorique. Et puis, on va le,
à un moment, on va le confronter à une réalité de quelque chose, de la production, de la vie de Pathé, de celui du CNC, de la vie de Romain Duris ou de, je sais pas quoi, ou de Michel Pellon. Et tout le monde va avoir un avis, comme la marine à voile. Et donc, tout le monde va tirer dans un sens ou dans un autre. Et puis là, il va falloir garder ce truc rond. Et des fois, quand ça commence à lâcher, c'est dur. Et là, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. En disant, mais non, vous ne vous souvenez pas, les gars, le film, c'était ça. Et donc, voilà. Et donc, on peut faire ça, mais ça veut dire qu'il faut changer d'autres trucs. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, je trouve. Et, c'est là, et l'autre truc qui est un motif de déprime, c'est l'inverse. C'est quand toi, tu n'es pas content. Tout le monde est content. Génial. on y va, on y est. Non. Ah ouais. Et tu peux pas dire non en même temps. Mais tu peux. Tu dis non parce que. Mais quand il y a, tu sens qu'il y a un malentendu. Et en fait, c'est ça la différence. Et c'est l'endroit où on peut être un tout petit peu lâche quand on peut être quand on écrit pour les autres. C'est qu'à un moment, on écrit pour les autres. Donc si à un moment les autres disent non, mais moi c'est bon. Moi pour moi ça c'est bon. C'est le film que je veux faire. Si toi tu sais parce que tu as été dans une très grande intimité avec quelqu'un, c'est une très grande intimité d'écrire avec quelqu'un. Ne serait-ce que c'est parce que se voir tous les jours. Donc vous voyez l'intimité qu'on a dans les espaces de travail avec les gens avec qui on boit des cafés tous les jours à la machine à café, même dans des structures qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a la chance de vivre. Il ne s'agit pas de juger le fait que les gens vivent ça, j'espère qu'ils y sont très heureux. Mais je veux dire, le lien d'intimité qu'il y a avec ça qui se construit, c'est très, très puissant. Et d'un coup, quand quelqu'un, on est mandaté pour faire un job, si l'autre en face il est content, tout le monde est content, puis les financements sont en train de tomber et tout, et que toi ton doute c'est le tien, et en même temps c'est ton job de dire ton doute, puis en même temps c'est aussi ton job d'arrêter quand on te dit d'arrêter. Et c'est l'endroit où ça, pour moi c'est pour ça que j'adore écrire pour les autres, et puis en même temps, et qu'après il y a ce mouvement de repli quand on écrit pour soi, c'est que pour toi tu peux pas faire ça, quoi. Enfin tu peux grave entretenir des malentendus avec toi-même, histoire de nos vies, forever, on espère d'ailleurs que c'est pour toujours, mais tu peux, mais c'est plus douloureux, parce que tu payes à la fin, mais quand tu payes au montage, tu vas payer plein d'étapes. Mais tu sais aussi que ton copain, enfin, ou ton collègue, ton collaborateur, ton éminence, il va le payer quelque part aussi, et qu'est-ce que c'est ça, et est-ce que tu vas remettre du doute dans une machine qui d'un coup part en production et tout ça, je peux trouver ça un peu difficile à vivre aussi, ça peut rendre un peu malheureux. Et je vois, par exemple, tu vas écrire avec Jacques, qui est vraiment un bonheur fou, c'est vraiment très agréable, mais heureusement que Jacques passe par des phases, vraiment, c'est complètement de la merde, c'est n'importe quoi, parce que sinon, dès qu'il rend un texte à quelqu'un, tout le monde dit, oh, c'est génial. Tout le monde. Dès qu'il a une idée, il dit on va faire ça, je sais pas quoi. Françoise, génial. L'histoire de Françoise, elle sort de prison. Oh, génial, c'est vous qui avez fait le prophète. Oh, non, on adore quand vous parlez de prison. Tous les mecs sont toujours contents, tu vois, et tous les gars. Et ça, c'est le terrible truc. Et dans une moindre mesure, ça nous arrive comme scénariste. Les mecs disent, ouais, Céline Sciamma a dit que là, il fallait que Françoise, elle creuse un tunnel avec une petite cuillère. Avec Michel E. Voilà, exactement. Mais donc, c'est Michel E maintenant, t'as compris? Non, mais c'est vrai, cette autorité-là, elle fait toujours peur, parce que c'est vraiment, il faut sans cesse remettre en question le truc. Et l'idée du chèque en blanc, c'est toujours le pire. Dès que les gens perdent leur jugement ou ont une confiance aveugle dans un truc, c'est compliqué. Donc c'est là où il faut vraiment avoir passé du temps à définir le film pour savoir si on est un peu juste avec soi-même et avec les idées qu'on a eues à un moment où on avait une grande liberté pour les avoir. Et voilà. Mais moi, je suis assez d'accord. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut être lâche avec soi-même aussi. Mais tu ne m'as pas vraiment dit... Ah si, les moments que tu détestes, vraiment. Si, voilà. Non, ouais, quand on... Parce qu'après, moi, les moments de doute, les moments où on ne trouve pas, où on cherche une idée, on est sur une scène, notamment sur les scènes. En fait, c'est moins sur l'histoire que sur les scènes, moi, que je peux avoir des frustrations. Parce que l'histoire, je ne sais pas... Sur les personnages, tu penses comme ça ? Non, parce que moi, je ne pense pas trop aux personnages. C'est marrant, je ne pense pas aux personnages du tout, en fait. J'écris de façon des trucs assez comportementaux en vrai. Et du coup, je suis pas du tout dans. Je pense pas aux personnages comme si c'était des gens qui existaient. Qu'est-ce qu'ils feraient dans la vie? Je me pose aucune question sur les personnages. En vrai, si je suis honnête, ouais. Je c'est la première fois que je dis cette phrase à voix haute. C'est la première fois que je la pense pas. Je suis okay, honnête. Ok, je me casse moi. Non. Mais je pense jamais aux personnages. Tous les fondements du scénario. Non, mais c'est vrai, c'est on pas. On n'est pas là pour mettre à bas quand même des années et des années. Pas du tout de réflexe de personnage. Je suis un peu obsédée par le macro-micro, c'est-à-dire la forme globale d'un film. Et l'intérieur de la scène. Et la scène. Ouais. Et là-dedans,
Bah, en fait, là-dedans, dans ces deux obsessions-là, dans ce va-et-vient-là, se construit le personnage. Mais sinon, je pense jamais au personnage. C'est-à-dire, tu vois, toi, depuis tout à l'heure, t'es là, Michel, Françoise et tout, mais moi, jamais de la vie, ça me viendrait à l'esprit. Mais c'est genre, c'est pas du tout, pas du tout gaulé comme ça. Pas du tout. Donc, du coup, j'ai très... Ouais, je parle très rarement des personnages, je pense. Ah ouais, alors que moi, j'ai vraiment un truc avec les personnages, tu vois, mais je vois bien même... Moi, je déteste les personnages. Hein. Non, mais c'est pas pour dire que j'ai pas un truc avec les personnages. Je peux pas blairer, c'est connard. Les personnages, ça sert à rien. Alors, je vous dis tout de suite. Alors, écoutez, vraiment un bon conseil, quand vous écrivez... Oubliez les personnages. Faites des films avec des allumettes. Les personnages. Vous faites allumette A, allumette B. Vous les faites bouger dans votre... Je fais mon plus grand succès avec une marionnette, vous savez. Moi, maintenant, plus rien ne m'étonne. Non, mais c'est des prismes, c'est la même chose, en fait. Je pense que c'est par où on rentre. Et moi, c'est vrai que les personnages, c'est pas mon point de... J'ai l'impression que, pour moi, ils se construisent à la faveur de ce rapport, pour moi, entre les grands arcs narratifs et puis les scènes. Les scènes qui sont... le cœur de l'expression du personnage, en fait. Donc, c'est là-dedans, c'est dans ce montage-là que se construit une forme de caractérisation. Et moi, je pense qu'à ce qui se vit. C'est-à-dire que je pense pas à ce qui se vit entre les scènes pour le personnage et qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu et qui sait, d'où il vient et où il ira. Pas du tout. D'ailleurs, tous mes films se terminent sur quelqu'un qui quitte le card et je n'ai aucune idée de où il va. C'est même le principe. Et je me tape 150 Q&A, on me dit, mais où va-t-elle? Et je dis, je ne sais pas. Et ça fait partie de notre question commune, et que j'ai même envie que vous quittiez la salle avec cette question-là. Si vous vous demandez où elle va, c'est qu'elle vous intéresse un peu et que vous faites du souci pour... Enfin, vous, parfois, par moment, vous pouvez vous inquiéter, vous réjouir. Globalement, c'est une forme d'inquiétude jusqu'ici, mais attendez, on arrive avec de la joie. Et que ça se construit comme ça, quoi. Et que du coup, tout le reste, le côté « ouais, qu'est-ce qui s'est passé avant ?» J'y pense pas, ils n'existent pas, c'est pas du tout des vrais gens, donc j'ai du mal à leur faire une vie... même à discuter de ça, mais c'est ma névrose intime. Hein. Si vous la partagez, c'est cool. Mais sinon, pas du tout. Moi j'ai un peu un sentiment différent avec ça, parce que sûrement... Moi, tu vois, quand on définit le film au début, souvent, je pense au genre. Tu vois, et donc souvent, j'ai travaillé dans des films de genre, même si on est un peu loin d'un genre, même si c'est un genre un peu, ou un sous-genre un peu obscur, ou même si, je ne sais pas quoi, où on invente le genre en faisant le truc. Dans le genre, il y a un peu, c'est-à-dire, y a un peu un héros, ou un truc qui va s'apparenter un peu à un héros. Et donc, pour moi, un héros, je pense qu'il a une silhouette, un nom, je vois qui c'est. Enfin voilà, il faut que je sache un peu... Qui c'est ce type. Mais je vois, pendant que tu parlais, là, je pense, parce que je vois bien même les films, souvent je me souviens des noms des personnages. Tu vois, je peux me dire, ah ben voilà, c'est un personnage un peu, là, je sais pas quoi, à la Travis Bickle, à la je sais pas quoi, tu vois. Il y a des personnages comme ça qui marquent le y a, je sais pas quoi, Milo dans, je sais pas quoi, dans Pusher, je sais pas quoi. C'est vraiment des archétypes de personnages comme ça dont on se souvient. J'ai ça aussi. Harry Powell, dans la, je sais pas, mais quoi, dans je la peux construction, vous dire des noms, je peux vous en dire des Harry tonnes Potter, et des tonnes. Bah, dans voilà. La construction, vous devriez plus rire à cette blague. Quoi. Ouais, quand même. Voilà, non, c'est filmé, pardon, c'est vrai. Elle a insulté le public à minute 22. Je suis pas en train de dire que j'ai pas d'affection pour les personnages, mais c'est dans le processus d'écriture. Je vois pas comme ça, mais je vois dans le processus. Alors moi, j'aime bien me dire, tiens, c'est un personnage qui est vraiment comme ça. Et donc ensuite, je vais le faire passer dans la moulinette de l'histoire. Ah ouais. Tu vois, et donc à chaque scène, parce que j'aurais un peu trois trucs, j'aurais je sais pas quoi, le thème que mon film a raconté, l'histoire, et puis les personnages. Puis je vais naviguer entre les trois en me disant est-ce que cette scène sert un peu les trois trucs ou deux sur trois. Et puis c'est souvent un arbitrage comme ça pour moi entre l'histoire et les personnages. Et donc je trouve que dans les films qui sont chouettes, les deux sont à peu près équilibrés. Je vais avoir des personnages qui vont être forts et puis une histoire qui va les porter. Mais l'histoire n'avance qu'avec les personnages. Et même souvent dans le processus d'écriture, je vais faire avancer l'histoire comme ça. Et puis à un moment, je vais être bloqué. Et très souvent, même quand je suis bloqué, je reviens au personnage, ouais. À sa définition. Je me dis, ah oui, mais peut-être qu'en fait, non. Et en fait, il est radin. Ou je sais pas quoi, ou il a un garçon.
où il a, je sais pas quoi, où en fait il a perdu son travail, ou en fait non, il, je sais pas quoi, il répare des photocopieurs, n'importe quoi, qui va me permettre de changer un peu la définition de ce personnage, qui va me faire avancer un peu plus l'histoire, tu vois, ah ouais. Parce que là je vais m'en sortir, parce que cette histoire de photocopieur va être réglée, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, une fois que je serai au prochain, à la prochaine étape, il sera, je sais pas quoi, dans un tunnel Inca, et ben là, il faudra trouver un autre truc. Et donc souvent, je fais comme ça, c'est un espèce d'aller-retour entre l'histoire et le personnage à l'intérieur d'un truc qui serait le thème, quoi, ou je sais pas quoi. Mais j'y pense souvent comme ça. Et donc, à l'intérieur de ça, je vais avoir des scènes, mais des scènes, j'ai l'impression que j'en ai 1000. Enfin, tu vois, qu'il y en a beaucoup. Ensuite, il y en a plein qui sont pas bien. Mais tu vois, avec Jacques, on fait un truc, et je l'ai fait aussi sur les cow-boys, ou je le fais sur d'autres trucs, c'est que je garde des scènes, ou des scènes en plus. On a un truc qu'on appelle le cahier B, et donc on a le scénar, parce qu'un scénar, ça doit se lire et un peu comme ça, et puis on a des scènes qui viendraient, je sais pas quoi, d'autres idées qu'on aurait eues, ou de versions antérieures du scénario, ou de moments, ou de monologues qu'on aurait écrit à un moment, ou de bouts de dialogue qu'on avait à un moment dans des scènes, puis qu'on a enlevé parce que cette scène n'est plus là, ou parce que la scène a changé un peu d'objet. Et donc on a ce truc qui s'appelle le cahier B, et qui est plus de scènes, plus de trucs, plus de trucs avec les personnages. Mmh. Et voilà, mais je crois qu'on s'attache vachement. Je réfléchis en même temps que je te parle, enfin réfléchir. Non, mais je vois, parce que en disant le peu de fois où j'ai eu l'occasion de discuter avec Jacques, qui est donc Jacques Audiard, hein, parce que depuis tout à l'heure on dit Jacques. Avec Jacques Audiard, je dis Jacques Audiard, mais parce que depuis le début, ah bon, on en parle. Vous connaissez Thomas Bicquin, il parle vachement de personnages. Et du coup, je me mets dans cette logique aussi et tout, ok, personnage. Et non, mais je trouve ça aussi, hyper plaisant. Je trouve et ça même, hyper, tu vois, il faut leur imaginer une silhouette, un truc, tu vois. Ouais. Je sais pas quoi. Mais tu vois, Taxi Driver, quoi. Ouais, bien sûr. Je connais son nom, je connais sa silhouette, machin. Après un moment, il a une iroquoise. Enfin, ça va devenir vraiment un personnage. Moi, j'ai, dans les cow-boys, tu vois, j'ai François, je me souviens bien de comment il s'appelle. Puis il a un chapeau, un blouson, et puis une barbe, tu vois, rasé avec une barbe. Et donc, voilà, je me dis, voilà, ça fait une gueule d'un mec. Et donc, je cherche à chaque fois ça. Je vais chercher à quoi il ressemble, qu'est-ce que. Et donc, je sais à quel moment il serait comme un chien dans un jeu de quilles, à quel moment il est comme un poisson dans l'eau, à quel moment, tu vois, ça va être bizarre qu'il soit. À cette réunion de la SRF. Ouais, tu vois, moi, c'est l'inverse. Voilà. Je ne cherche pas ça, mais c'est ce que j'ai trouvé qui me dira qui c'est. Mais c'est peut-être aussi. Au fond, je me demande si je pense que si j'écrivais un personnage de garçon, ce qui ne m'est pas arrivé jusqu'ici, pour moi-même, j'entends, mais même, enfin, et pour les autres, oui, mais bon, du coup, c'était leur personnage. Enfin, voilà. Je pense que je me poserais la question beaucoup plus comme ça. C'est-à-dire que si, en écrivant des personnages de filles, on n'a tellement pas à se poser la question de c'est qui cette fille ? Parce que déjà, c'est une fille, tu vois ? Non, mais je veux dire que c'est déjà... Bah oui, elle a une iroquoise, elle a du... Non, mais c'est des dansants... Moi, si je dis ça... Ah bah, toi, t'es mort. Moi, je suis lynché, on me ramène, j'ai le goudron et les plumes. Bah oui, mais c'est le fameux d'où tu parles, le DTP, qui est bien, qui est un truc 2019 qu'on kiffe. Il y a pas mal de trucs 2019 qu'on kiffe, d'ailleurs. Et non, c'est vrai, c'est agréable de vivre ce moment aussi. Mais je dis ça en toute honnêteté, c'est-à-dire que je me rends bien compte aussi que moi, à chaque fois, quand même, globalement, en tout cas dans les trucs que j'écris, il y a quand même y a souvent des déficits de représentation qui font que tu n'as pas à te poser la question de c'est qui ce mec. Parce que se poser la question de c'est qui ce mec, c'est quand même parce que globalement, ça fait 1,25 milliard histoires d'un mec dans un taxi à New York aussi, tu vois, et que ouais, ça, mais ça c'est passionnant. Moi, j'adorerais avoir ce privilège de me dire c'est qui cette meuf. Pour l'instant, il y a quand même un truc de, mais vraiment, c'est une grande sincérité quand je dis ça et c'est filmé. Et, mais, non, c'est, je réfléchis à voix haute, je me dis c'est aussi ça, c'est-à-dire que, parce que c'est déjà en mémoire tampon dans ma tête, parce que j'ai déjà un désir, une frustration. C'est pas une nouvelle question que je me pose. C'est pas une nouvelle question. Non, bien sûr. Très vieille question que je me pose et je vais lui donner une incarnation. Nouvelle. Mais c'est une vieille question chez moi, c'est une vieille question dans le public, c'est une vieille question chez plein de gens qui est là, tu vois, là, désolé, mais ça, on n'a pas encore trop raconté. Donc, en vrai, c'est l'opportunité d'ailleurs d'être sur la marge, hein, d'être sur les marges. Hein. Moi, j'ai toujours, quand on me dit, vous faites un cinéma féministe, je dis oui, mais c'est une opportunité de dingue aussi, parce que tant, c'est plein d'histoires qui ne sont pas racontées. Il y a plein de types qui se grattent la tête en disant. Comment on va faire bander les gens avec notre histoire de cam, tu vois ? Et moi, je suis là, comment déjà j'ai le droit de claque ? Mais je te parle, maintenant je me pose plus cette question de droit parce que c'est ce que je le fais. Mais je pense que ça joue quand même un peu politiquement dans la façon dont on
c'est quoi la question du personnage politiquement qui, dans nos, ouais, dans nos trajets respectifs et dans les choses qui nous... Je suis d'accord. Tu vois, je suis super d'accord, mais je réfléchis en même temps que tu parles en me disant... Je pense au rôle féminin que j'ai pu écrire ou je sais pas quoi. Effectivement, après j'écris des panonquets de mecs et quelques gonzesses. Mais tu vois, à Stéphanie dans De Rouiller d'Os, qui était vraiment un personnage, je me souviens vraiment d'en parler comme pareil, de demander c'est quoi sa silhouette, c'est quoi son truc, d'en parler vraiment. Ah mais c'est sûr que tu fais pareil, du coup c'est génial, tu peux, c'est super. Non, je suis pas en train de dire du coup toi tu peux pas écrire des personnages de meufs et non, tout. Non, je comprends, mais se dire cette que logique-là, tu peux écrire des personnages. Du droit à la fiction, ouais, forever, ouais. Depuis toujours. Forcément, tu te poses pas du tout la même question. Enfin, c'est j'ai l'impression qu'il y a un truc de qui te précède, une histoire, une historicité de tes personnages. Qui est dans lequel tu t'inscris, qui est fondamental. Le genre fait ça vachement. Mais le genre fait déjà, ça à fond parce aussi. Que tu ne démarres jamais bien sur sûr. Une page vierge, tu démarres bien sur sûr. Un truc. Après, à toi d'essayer de renouveler le complètement le baltringue, mais le bastringue, mais le ouais. Fais un lapsus. On a dit qu'on en ferait trois. C'était le premier. Ils sont écrits. Ces lapsus sont écrits, mesdames et messieurs. Renouveler le baltringue. C'est pas les trucs qui nous échappent. Achetez mon livre. Renouveler tout le baltringue. Écrit, on a répété depuis des mois. Ouais. Ça, c'est le premier lapsus. Il y en aura un autre à 1h18 et c'est moi qui vais le faire. Ça, c'est le sien. Ouais. Il est très, très bien. Vous voulez qu'on continue à dialoguer ou vous voulez nous poser des questions parce que, vous avez des questions ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous intéresse ? Il y a un monsieur. Est-ce que vous êtes barbu ? Oui, alors ça va. Il est le monsieur là-bas. Il est le monsieur là-bas. Bah, franchement, pas pratique, hein, monsieur. Vous vouliez poser une question, il fallait vous asseoir au bord. Bonsoir. Je voulais vous demander, là, vous parliez de personnages, mais aussi, Thomas, vous parliez de... comment concevoir un film de manière très matérielle et très pratique, faire un film pour le faire en une semaine ou ce genre de choses. Comment vous arrivez, ma question c'est, comment vous arrivez à vous convaincre de la légitimité de votre histoire ? C'est une hyper bonne question. Par l'alcool. Non. Au début, vous êtes sobre, vous y croyez pas trop. Non, je blague. Mais... ce que je pense, c'est comment. C'est-à-dire que je pense que si on se pose la question comme ça du film et pas de l'histoire, derrière, on va chercher. Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'à un moment on se convainque de l'histoire, on va se convaincre à la longue. On va se dire, ah oui, on a trouvé ça, ah ben non, ça, je ne sais pas quoi, on va se dire, tiens. Je sais pas quoi. Moi, j'aime bien cette idée de cette image de la boîte à chaussures. On va définir ça, le film, comme une boîte à chaussures. Et puis après, quand on va avoir une idée, on va savoir si elle tombe à l'intérieur ou à l'extérieur de cette définition qu'on s'est faite du film. Et cette définition va rentrer dans plein de trucs. Est-ce que je sais pas quoi. Est-ce que c'est un film de 2 heures ou ça sera un film de 1h30 pile. Voilà, un petit truc comme ça. Ça serait sec ou long. Est-ce que ça serait un film A? Dans un grand film ou un film B, ça serait vraiment dans le genre. Est-ce que, après, si on mettait, je ne sais pas quoi, l'histoire du cinéma comme ça en abscisse et on ordonnait les genres, où est-ce qu'on placerait l'épingle ? On se dirait, voilà, c'est un film un peu. Puis on aura des références, ça serait un peu comme, je ne sais pas quoi, tel truc ou tel autre truc. Et puis voilà, petit à petit, on va définir un truc comme ça. Et comme on a un peu une idée de ce que va être l'histoire, puis. Voilà, petit à petit, on va la forger l'histoire pour la raconter, pour qu'elle effectivement, si c'est un film qui fait peur, ben voilà, petit à petit, on va avoir des idées, puis ça va faire de plus en plus. Ah oui, mais en fait, là, si elle avait 2 enfants, et puis il y en a un qui meurt minute 5, ah, je sais pas quoi, ou j'en sais rien, mais on va trouver des trucs dans l'histoire qui vont faire que on va remplir un peu on va checker un peu les cases quand c'était ou la définition qu'on s'était imposée au départ. Donc on va s'en convaincre petit à petit, et puis à un moment, vous voyez, c'est ce qui arrive souvent, on se dit, ah ben non, en fait, c'est pas bien, c'est pas ça ce qu'on s'était dit, on s'est dit, c'était vraiment un film B, et puis là, machin, ça devient boursouflé, ça devient trop psychologisant, je sais pas quoi, donc on va redéfinir, on va enlever des trucs, puis on va y retourner, mais en fait, c'est ça, quand je vous dis que cette définition-là, elle va prendre quelques semaines, et puis l'écriture, elle va prendre quelques mois, voire quelques années, et donc c'est comment on s'en convainc,
par l'épuisement parfois, et puis par l'épuisement des idées. Et puis des fois, on ne s'en convainc pas. Des fois, on se dit non, ce n'était pas une bonne idée. Ça m'est arrivé, moi, souvent, d'écrire des traitements. Et puis, un traitement, si vous écrivez un truc sur 15-20 pages, puis un traitement, ça a une qualité littéraire aussi. On peut un peu se cacher derrière, derrière quelque chose. Quand on écrit un scénario, c'est fini, on peut plus se cacher, quoi. C'est vraiment à nu, est-ce qu'il y a des scènes, est-ce que ce truc avance, est-ce qu'il y a vraiment 3 ou 5 actes ou je sais pas quoi, est-ce qu'on est sans cesse surpris, est-ce que ça avance. Ça m'est arrivé pas mal de plusieurs fois en tout cas d'avoir un traitement comme ça ou un synopsis sur 15 pages qui est vraiment super et de pas réussir à en faire un film parce qu'on n'a pas. La promesse qu'on avait là, en fait, elle est un peu littéraire, en fait, elle est un peu... Et dès qu'on essaye de mettre beaucoup d'histoire dans ce truc, on perd le personnage, dès que... Je sais pas quoi, enfin voilà, pour plein de raisons, ou des fois qu'on a du mal même à analyser, mais en fait, on l'a essayé une fois, puis on a réécrit à quelqu'un d'autre, puis ça va pas bien, puis vous voyez, et puis à la cinquième fois, on arrête. Mais on a toujours ce traitement qui était le truc du début. Donc je sais pas comment on s'en convainc, mais... Des fois, il y a quand même des fois où on a des bonnes idées. Non, c'est vrai, quelques fois, on a des bonnes idées, là, on les reconnaît. On se dit, ah, mais évidemment, moi, je me souviens, je ne sais pas quoi, voilà. Et on se dit, ça, c'est vraiment une bonne idée. Et ça, ce n'est pas la peine de s'en convaincre, on le sait. Même quand on travaille seul, on le sait. On se dit, ah, ben, voilà, ça, c'est quand même une bonne idée, parce que ça permet un revirement, ça permet, voilà, je sais pas quoi. Et on les voit, on les repère aussi dans les films. Oh, des fois, on a des jalousies, t'as ça, non ? Des fois, des jalousies. Des admirations, folles. Surtout. Mais ouais, des ouais. Admirations, des jalousies, des trucs, de dire, mais merde, évidemment. Pourquoi ? Et parce que des fois, ça vient, on voit dans des films des trucs qui viennent résoudre des problèmes qu'on s'est posés, et puis qu'on a résolu un peu à la vas-y comme je te pousse, et puis on voit quelqu'un qui l'a fait brillamment. On peut en être voilà, admiratif, jaloux, et puis se dire, ben voilà quelqu'un qui est fort. Et ça, c'est vrai. Et puis, mais moi, je crois beaucoup que le cinéma, c'est un travail d'admiration aussi, beaucoup. On a beaucoup de gens qu'on admire. Ça, c'est sûr. Parce qu'on se le cogne, et donc on se dit, waouh, lui, il est fort quand même, lui. Voilà. Et donc, moi, je me souviens de renversements dans des films, de trucs, de me dire... Oh là là, je sais pas quoi, je sais pas, le premier qui me vient en tête, c'est dans, je sais pas quoi, dans Old Boy, le gars, il est enfermé, tout ça, bon, ok, super. Puis il sort, et puis il arrive à sortir, et puis il cherche le mec qui l'a enfermé, il le retrouve, et là, on est à 2/3 du film. Il retrouve le mec, il lui dit, pourquoi tu m'as enfermé ? Et le mec lui dit, demande-toi plutôt pourquoi je t'ai laissé sortir. Ah, ben voilà, ils ont gagné encore un pan de film avec ce truc. Et je me dis, ah voilà, ça c'est voilà, mais c'est des trucs. Mais des fois, ces ficelles-là, quand elles sont bien employées, c'est pas mal. Il y en a qui ne sont pas convaincus sur Oldboy. Mais c'est un truc d'excitation. Hein. Moi, pour moi, c'est un truc d'excitation, ah ouais, en fait. Exactement. Il faut croire à ses états, c'est-à-dire là aussi, c'est pas romantique comme travail, c'est pas romantique d'écrire, c'est du taf et tout. Mais par contre, la bonne idée. L'excitation de quelque chose, ça veut pas dire c'est pas juste on pond un high concept ou on a une idée d'un film qu'on veut faire et puis et on se demande, on doit arbitrer. C'est pas ça, c'est jamais ça. On cherche et à un moment, moi je sais que pour moi-même, qu'il y a 3 choses qu'il doit y avoir pour que je me dise, je me lance. Voilà, ah, super, c'est quoi ? Bah, il faut que ce soit. Il faut qu'il y ait un truc qui soit une tension. Il faut qu'il y ait une tension qui est globalement, généralement, une tension du secret d'ailleurs, mais une tension dramaturgique où je me dis ça peut tenir 1h30 là. Ça, c'est sûr. Il y a un pitch. Je peux le raconter en 1 minute, c'est clair. Donc tant que je n'ai pas ça, bah, j'y vais pas. Ensuite, il y a une nécessité politique. Voilà. Très important. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Ça ne veut pas dire. C'est... Et puis ensuite, il y a une excitation. Et cette excitation, elle peut venir de, globalement, à moi, à mon avis, si on résume, 3 scènes. S'il y a 3 scènes dans le film que vous m'aurez d'envie d'écrire ou de réaliser, si vous voulez réaliser, ça, ces 3 scènes-là, moi, je pense qu'on fait des films pour 3 scènes. On se fait chier à les architecturer de dingue pour qu'ils soient bien partout pour faire ces 3 scènes. Mais ça, cette excitation-là, faites confiance à votre excitation. Et si cherchez-la, ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas l'origine, l'excitation de votre idée. Mais par contre, il faut chercher l'excitation dans cette idée jusqu'au bout. Et ça, ça implique d'être très volontaire là-dedans, quoi. Et moi, après, c'est dur de dire chercher l'excitation, c'est comme chercher le désir. Mais je veux dire,
c'est une commande qu'on se passe à soi-même, et à un moment, comme c'est un dialogue qu'on a avec soi-même aussi beaucoup, c'est de... Moi, je vois, là, par exemple, sur mon prochain film, j'ai rêvé 3 ans, et j'avais une idée, c'était, qui me semblait une idée bien, hein, c'était une peintre doit faire le portrait de mariage d'une jeune fille. Voilà. Et dans ce dialogue-là, il va y avoir une histoire d'amour, et puis ça va raconter ce que c'est que de regarder quelqu'un, ça va parler de cinéma, ok, ok. Puis ça parle des femmes artistes au XVIIIe siècle, là, politiquement, on est bien, ouais, yeah, c'est bien, mais non, je me disais non, il me manquait un truc, j'ai arrêté le projet, j'ai écrit, j'ai arrêté. Et puis à un moment, je me suis dit, ah mais non, mais j'ai trouvé un nouveau truc, un nouveau twist. Et là, je me suis dit, mais j'ai mis du temps, hein. j'ai arrêté pendant 6 mois et j'y ai plus pensé. Et puis non, j'ai retrouvé un nouveau truc dans le pitch, qui était, ah, elle va la peindre, mais elle ne sait pas. Elle doit la peindre en secret, parce que l'autre, elle refuse de poser. Elle a épuisé plein de peintres, elle refuse de poser, donc elle va devoir la peindre en secret. Ah ben là, ça y est, j'écris le film. Parce que là, j'ai une excitation, et cette excitation, si je l'ai, vous l'avez. Enfin, je veux dire, je ne vous demande pas de l'avoir là tout de suite. Vous l'aurez, j'espère. Mais en tout cas, on s'en fiche, d'ailleurs. On s'en fiche, parce que ce qui compte, c'est ce qui vous fait travailler. Et a priori, moi, je crois beaucoup que ça s'aligne, ce genre de truc-là, quand on se prend vraiment, vraiment, vraiment la tête. Parce que c'est vraiment... Ouais, je pense vraiment ça. Je pense que ce qu'on peut faire, ou si on a un truc qui s'appelle, je ne sais pas comment l'appeler, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un truc qui brille au fond. On ne sait pas ce que c'est. Mais vachement souvent, on se dit, ben ça m'attire. Ouais. Et là, il faut se faire un peu confiance. Ouais. Et des fois, on est vraiment attiré par un truc. On se dit, ouais, mais... Pff, et effectivement, moi, j'ai trois questions que je me pose sur un projet, sur un film ou un truc. Mais ce n'est pas les mêmes. Mais je me dis toujours, il y a un truc qui brille au fond. Est-ce que je vais réussir à aller jusque-là? On sait qu'il y a un truc qui vibre, qui nous appelle. Et si, effectivement, je suis hyper d'accord avec toi, si on touche ce truc... qui vibre, on sait comment le mettre en scène, on sait comment faire, moi je crois toujours le cinéma se fait pour ça, pour faire bander, on sait comment faire bander, on sait comment faire le truc, on sait comment l'amener, parce que on a juste à raconter ce qui nous meut. Et comment ça, organiquement on va aller à ces endroits-là, voilà, après on va créer aussi le chemin de désir pour ces endroits au cœur du film, pour que les gens aient aussi du désir pour ces endroits. Et pour les accompagner, pour leur dire, ouais, mais voilà le chemin que j'ai fait, vous allez voir, là, ça brille. Mais après, ce truc-là, souvent, ça brille, hein, on se dit, il y a un truc. Dans ce, moi, j'ai une histoire un peu comme ça sur le film, j'écris aussi un film pour moi. Et c'est pareil, c'est l'histoire d'un couple qui se retrouve sur une île déserte et tout ça. Et c'est pareil, je me dis, ah, c'est super, mais... moi, les trois questions que je me pose, c'est je me demande, est-ce que ça produit des images? Est-ce que je l'ai déjà vu? Et qu'est-ce que ça me raconte du monde? Ce qui est un peu la question politique, ouais, tu vois, c'est ce même truc. Où je peux résumer ça en disant, il faut qu'il y ait la petite histoire, la grande histoire, l'histoire du monde, la petite histoire, qu'elles sont intéressantes, l'histoire qui arrive à ces gens, et puis l'histoire du cinéma, que ça puisse s'inscrire un peu, voilà, que ça produise des images. Donc je vais me poser ces questions-là. Puis des fois, je vais trouver qu'un seul truc, où là, j'étais là avec ce couple, et je me disais, mais merde, qu'est-ce que... Et puis, je pouvais très bien raconter l'histoire, parce qu'il se passe plein de trucs, parce que j'ai une histoire d'amour, parce qu'ils sont sur une île déserte, donc j'ai tout un truc un peu à la Castaway, et puis j'ai un truc à la Nous ne vieillirons pas ensemble, qui est une histoire de couple, et donc... Voilà, j'arrive à bricoler ça, je peux le faire, mais ce truc, on me demande, merde, mais j'arrive pas à sortir le truc. Et à un moment, je me suis dit, voilà, c'est la fin du monde, en fait, c'est les gens, et pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Ben, ils veulent voir le monde avant qu'il disparaisse. Et donc, voilà, ces gens-là, ils sont animés par ce truc-là, par cette chose-là. On avait dit que si on faisait rien en 2015, ben, c'était fichu, ben, on n'a rien fait. Donc, c'est la fin du monde. Et c'est pas la fin du monde pour nos enfants, hein, c'est la fin du monde pour nous. Et donc, voilà, il suffit que ces gens en soient conscients. Et eh ben, de se retrouver face à la nature, si on a ça comme idée dans la tête, ça va être autre chose. C'est autre chose qui va briller. Et là, je trouve ce truc-là sur la pertinence, sur une espèce d'idée politique ou de qu'est-ce que ça me raconte du monde. Avant, j'avais un peu la petite et l'histoire et des images, mais j'avais pas ça. Et donc, c'est pareil. J'ai mis un temps fou. J'ai travaillé un an avant de trouver ce truc. Et je suis même pas encore sûr que ce soit suffisant, mais par contre, je savais avant qu'il y avait un truc qui brillait, je savais pas ce que c'était. Mais je me disais, tiens, il y a un truc à creuser, c'est pour moi, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, on va le trouver, mais il faut se faire confiance. Et méthodologiquement, par exemple, pour se faire confiance, enfin, en tout cas moi, je n'écris jamais de synopsis ou de traitement, jamais. Parce que justement, je veux pas passer par cette étape du malentendu. Donc j'écris, je réfléchis, je mets en mémoire tampon, je prends des notes, je viens, de scène, j'écris un séquencier,
jusque donc les séquences les unes après les autres, les scènes, la vérité des scènes, pas justement pas le côté parce que j'ai peur de me faire avoir, hein, parce que j'en ai pas le goût, enfin tout simplement. Et même quand j'écris pour les autres, je négocie de pas écrire de séquences, donc de traitement ni de synopsis. Je passe directement, je rends des versions 1. Donc pour éviter le malentendu, et même sur mes films, je me fais pas payer jusqu'à ce que j'ai écrit une version 1, parce que je veux surtout pas commencer à devoir être dans un rapport, c'est totalement névrotique, hein, et j'ai les moyens, je gagne ma vie par ailleurs, je tiens à le dire. Par ailleurs. Non, mais je veux dire en écrivant pour les autres, etc. Mais du coup, non, je veux dire, non, parce que c'est trop facile, sinon, je veux dire, faites-vous payer pour ce que vous écrivez. On est avec la SACD, faites-vous payer de ouf. Soyez très prudents, soyez genre. Non, faut se faire payer. Plus vous serez bien payé, plus ils vont aimer ce que vous faites. En tout cas, j'ai ce truc de me dire, je veux pas me lancer dans un projet si jamais je suis pas sûre que justement il a sa pertinence pour moi et pour les autres, en fait, tout simplement. Et du coup, passer directement au séquencier, pour moi, c'est une façon de. C'est une épreuve, c'est aller très vite vers le moment de vérité, qui est donc pour moi, vous l'avez compris depuis le début, puisque je le répète, globalement, les scènes. Et comme c'est les scènes qui vont faire le film, autant y aller direct, quoi, et voir ce qu'on a, qu'il y a une forme qui émerge là-dedans, et dialoguer, hein, voilà, sans cesse entre le rapport entre le scénario et la scène, le scénario et la scène. Et donc, ça pour moi, c'est une façon de mettre à l'épreuve très très tôt, parfois de façon précoce peut-être. Mais quand je travaille avec les metteurs en scène, ça, pour le coup, c'est ma tambouille. Voilà, je leur fais pas peser ça sur eux. Mais pour moi, de toute façon, j'ai pas le choix. Si vous voulez savoir quelque chose d'autre, madame. Comment vous vous y prenez pour trouver le scénario et l'auteur à qui vous pourrez vendre un scénario spécifique ? J'ai un très beau scénario, d'accord ? Que beaucoup de gens trouvent superbe, dont David Putnam en Angleterre, le producteur de Chariot of Fire. Mais en France, à qui, comment faire pour le vendre comment faire pour trouver le producteur et l'auteur qui l'achèterait. Le réalisateur, vous voulez dire? Oui, vous voulez pas le réalisateur. Le producteur, le réalisateur, je ne sais pas. C'est le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas de marché du scénario. Il n'y a pas de marché de scénario en France. Vous voyez, en Angleterre, ils vont tous trouver ça super et tout ça. Mais d'abord, s'ils trouvent ça si super, il faut qu'ils l'achètent. Et puis, deuxièmement, le truc, c'est qu'en France, c'est un peu différent. Il n'y a pas de marché du scénario. C'est-à-dire que personne n'écrit c'est très rare que des gens écrivent des scénarios, les envoient et ça devienne un film. C'est très rare parce qu'il y a un truc qui s'appelle la politique des auteurs qui fait que les producteurs parient sur des réalisateurs plus que sur des scénarios. Ensuite, ça va être ces réalisateurs vont devoir avoir des scénarios. Mais si vous avez un scénario sans réalisateur, ça va être compliqué de trouver un producteur. Non, enfin, je crois. Ah ben, c'est sûr. Ouais. Et si c'est moi qui veux le réaliser, alors ça va être vous la réalisatrice. Mais on va ça sera à la limite plus simple parce que vous irez au CNC, vous direz voilà, moi j'ai ce scénario, je veux faire ça. Et si après, alors là une fois, on va comment faire pour trouver le producteur il faut lui faire lire. Hein, comment? Il faut lui faire lire. C'est intéressant ce qu'elle dit, parce que sur un prophète, c'était intéressant. Sur un prophète, c'est un scénario qui était écrit, mais qui a été préconçu par vous et Jacques Audiard. Non, mais Abdel, il avait un producteur. C'était pas du tout ça son problème. Abdel, il avait un producteur. C'était Abdel et Nicolas Pefaï qui avaient écrit un scénario, mais c'était un scénario qui était très différent. Nous, on a pris le scénario d'Abdel et on a passé 3 ans tous les jours à le réécrire pour que ça devienne un prophète. Donc c'était un film très différent. Je pense vraiment que le film d'Abdel, tel qu'il était écrit, qui s'appelait Le Prophète, aurait pu se faire, vraiment. Mais ça aurait été un film très différent, parce que ce n'était pas un film de prison, parce que c'était un film avec un gars qui sortait, c'était l'histoire d'un petit voyou au début, et puis il allait devenir un grand gangster. Nous, tout le truc qui a été compliqué, c'était de sortir de cette logique-là, que ce soit avec un fantôme, ou avec je ne sais pas quoi, ou avec on le fait que ce n'est pas un petit voyou au début, au début c'est un SDF, et donc voilà, ça c'est très différent, vous voyez, le personnage est différent, enfin bon, plein de choses sont différentes dans le film.
Donc, mais lui, il aurait pu le faire, mais ça aurait été un film de gangster plus classique, je pense. Mais il avait déjà un producteur. Pour trouver un producteur, non, mais pour trouver un producteur, mais ça dépend aussi de. Parce que le problème auquel je meurs, c'est que ça coûtera très cher. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai. Il faut avoir un gros producteur alors. Si vous avez peu de. Après, il y a une chose de réalisme qui. Vous voyez, le cinéma, c'est une industrie. Donc, il y a une chose de réalisme qui est que si vous avez peu réalisé avant. Je ne connais pas, madame, mais si vous avez peu. J'ai réalisé des films qui ont été. Un film qui a été primé, un film de. Bon, ben voilà, si vous avez réalisé un film, vous dites voilà, j'ai réalisé tel film. Et puis, les producteurs vont vous recevoir parce que vous êtes effectivement réalisatrice. Ça sera plus simple que si vous n'avez pas réalisé. Mais oui, ensuite. Il y a un truc, un principe de réalisme du cinéma aussi. C'est après, si c'est un film très cher, donc il vaut mieux aller voir des gros producteurs. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a bien 5 ou 6. Et puis, il faut prendre rendez-vous avec eux, leur envoyer le scénario. Oui, ils seront lus. Il sera lu, le scénario. Moi, je connais pas de... Franchement, hein, ça, pour le coup, toutes les boîtes de prod lisent les scénarios. Oui. Je voulais vous demander votre avis sur la note d'intention, qui est un document souvent demandé par les interlocuteurs, les commissions, les personnes qui permettent de faire avancer le projet. Et c'est moi qui parle. Depuis tout à l'heure, en fait, on parle beaucoup d'architecture du scénario. C'est super intéressant. Mais voilà, je voudrais vous entendre sur la note d'intention. Vous aimez ça, vous n'aimez pas ça. C'est facile, c'est difficile. Si vous avez des conseils pour ceux qui sont soumis à l'exercice, voilà. Merci. Ouais, moi, j'en écris beaucoup. J'écris souvent les notes, je sais pas quoi, pour Jacques, qui déteste ce genre d'exercice, je le fais, tout ça, j'aime bien faire ce genre. Enfin, c'est pas que j'aime bien, on n'aime pas faire les trucs en général, mais à un moment, il faut le faire, et donc ça tombe sur moi. Mais je pense un truc sur la... Je pense que si on revient à la définition de la boîte, de la boîte à chaussures, voilà. Ces trucs dans un monde où il y avait besoin de ce film-là. On n'avait pas vu ça. Et voyez les trois questions qu'on se pose, que ce soit les trois questions que Céline peut se poser ou les miennes qui ne sont pas si différentes que ça. Mais si on dit voilà la petite histoire, voilà la grande histoire et voilà l'histoire du cinéma, ou voilà les images que ça va produire, voilà leur pertinence et voilà l'histoire qu'on veut raconter ou la façon dont on veut la raconter. Et où, ben je crois que si on raconte ça, on a une bonne intention. Oui, conseil, c'est de ne pas penser qu'il y aurait une forme idéale à cette chose, qui serait une forme scolaire ou une forme qui, d'ailleurs, viendrait possiblement même, qui serait disqualifiante, voilà, comme s'il n'y avait pas un savoir-faire de s'exprimer. Ce que vraiment, l'enfer de notre attention, c'est le côté genre, la ville sera un personnage, nous ferons attention au son. Si vous ne voulez pas parler du son, parlez pas du son. Si vous n'avez pas d'idée sur le son dans votre film, c'est pas grave. Non, mais donc le côté l'image, le son, mon casting idéal, etc. Parlez de ce que vous voulez faire. Moi, les plus belles notes d'intention que j'ai lues, les plus performantes, c'est même pas belle dans le sens... c'est des trucs archi sincères. Ouais, j'ai eu l'idée ce jour-là. Un jour, j'étais machin à la poste, et il y a une dame qui a dit « Mais vous n'avez pas reçu mon colis ?» Parce que mon procès, c'est dans 15 jours. Et puis là, il y a eu un film. Voilà. J'ai eu l'idée là de faire ce film qui s'appelle Le Colis. Et franchement, Le Colissimo, ça marchera mieux, je pense. Colissimo, ça, c'est pour l'international. C'est le comble du colis. Et le Colissimo. Chercher le comble, toujours. Et non, mais voilà. Et donc, Le Colissimo. Et donc, voilà, j'ai eu cette idée-là. Mais voilà, mais ce truc-là, de dire d'où ça vient, d'où ça vient. Assez sincèrement, moi, je pense. Assez sincèrement, exactement. Et sans sans truc auquel on ne peut pas répondre. Parce que ça, c'est quand même le pire dans les notes d'intention. Mmh. Je suis assez d'accord. Les références, ce n'est pas obligé non plus. Ouais. Moi, je crois que je n'ai jamais cité un film dans une note d'intention. Moi non plus. Et d'essayer de pas se faire... Il ne faut pas être intimidé par ce truc-là. Moi, c'est ça, mon conseil absolu. C'est soyez pas intimidé. Vous ne dites pas genre, ah oui, mais du coup, je n'ai pas l'air d'avoir une pensée sur l'image si je n'ai pas dit la caméra sera à l'épaule pour plus de vie. Enfin, je veux dire, tout une chose et son contraire. Mais je suis d'accord. Mais si vous racontez d'où ça vient... Il y a souvent des poncifs, en fait. C'est souvent les mêmes choses. Et du coup, ça vient même parfois dévitaliser des projets.
C'est pour ça que c'est une vraie bonne question, parce que ça peut jouer total contre vous. Hein. C'est comme le mood board qui est un peu trop... Il faut essayer d'être... Il ne faut pas de regrets. Donc, c'est-à-dire, essayez pas... Vous n'aurez jamais le regret de... Tant que c'est précis et que c'est, ouais, c'est cohérent et c'est avec c'est le sincère, projet... Et c'est ce truc personnel, parce que tant que vous serez jamais pour perso, un guignol. Voilà, ça ne sera jamais ennuyé. Si vous dites ça vient de là et ça répond à telle question... ça va vous prendre une page. Ça peut être court. Et c'est super. En 20 lignes, moi, si j'ai ça, je suis super content. Et ça me parle du film. Et d'accord. Après, si on peut vous donner un vrai conseil, parce que ça, c'est un peu, même si c'est non dit, moi, je ne sais pas que je vous le recommande, mais dans la série, les trucs qui sont un peu attendus, votre connexion, notamment dans le cinéma français, votre connexion intime avec votre sujet, mais qui n'est pas une mauvaise question, c'est d'où il vient ce sujet, pourquoi. C'est pas mal de la donner, c'est pas mal de surtout sur des premières œuvres où on ne sait pas. Voilà, moi, par exemple, Naissance des pieuvres, j'ai dit je suis Gwyn, je j'aime la piscine, laissez-moi faire mon film. Qui s'appelle ? J'ai pas fait ça. Et pourtant, j'aime pas la piscine en plus. Donc, ouais, comme quoi, tout est beaucoup plus compliqué que prévu. cette connexion, en tout cas, voilà, ça dans le côté tips, n'hésitons pas à dire d'où nous parlons, parce qu'après tout, c'est déjà un bon moyen de commencer à être sincère, voilà, aussi. Bonsoir, voilà, moi je suis là. Du coup, je me pose une question par rapport à votre histoire. Quand vous êtes bloqué, est-ce que vous avez des moyens et puis des techniques pour trouver un arc narratif qui va débloquer une situation? Est-ce que vous vous dites, tiens, il faut que j'aille au cinéma pour trouver peut-être une autre idée? Enfin, parce qu'on est souvent bloqué, des fois. Ça, je vous l'accorde. Alors, est-ce que vous avez des tips? Moi, je pense qu'il faut tout. Je pense que c'est vraiment bien de. Je sais pas quoi, si j'en parle comme ça à mes enfants, hein, il faut. Je pense qu'il y a deux trucs, c'est il faut se nourrir et ressortir les trucs. Mais les deux sont aussi importants, c'est-à-dire que. Si c'est vraiment bien de voir des films, c'est vraiment bien d'aller voir des expositions, c'est vraiment bien d'écouter de la musique, c'est vraiment bien de faire l'amour, c'est bien, vraiment bien de faire beaucoup de choses qui vont nous aider. Après, des fois, on est bloqué, mais tout ce qu'on peut voir, tout va faire, et après, il faut le ressortir. Alors, on va le ressortir en trouvant l'arc, on va le ressortir en jouant du piano, on va le ressortir en chantant sous la douche, on va le ressortir de plein de façons. Mais l'important, c'est que les trucs circulent, quoi. Et que dès que les choses... Soit on arrête de nourrir, là, on va entrer dans un truc qui va être très mécanique, et on va trouver des réponses, mais elles vont être très mécaniques. Soit, effectivement, soit on va vraiment se nourrir, et là, on va pouvoir trouver de la vie dans le truc qu'on est en train de faire, parce que c'est ça qui est important, je trouve. Et c'est le danger... Moi, je vois, c'est mon angoisse tout le temps, parce qu'on est scénariste depuis un petit moment maintenant, et c'est de trouver une mécanique, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut faire les films d'autres gens, c'est pour ça... Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là qu'il faut... il faut se nourrir, qu'il faut... devenir... moi, je suis ami du Louvre, je sais pas quoi, j'ai 1000 trucs comme ça où je vais voir des trucs. Je marche beaucoup. Mais voilà, je vais au café, je regarde les gens, je vais dans les gares, je regarde les gens. J'adore regarder les gens. Comment je ne me suis pas fait casser la gueule tellement de fois. Tellement je peux être comme ça sur un mec. Et ça, et puis surtout, il a un copain, il retrouve son copain. Je me dis, il connaît le mec à côté? Non. Je ne suis même pas sûr. C'est quoi la relation? Merde, il a pris le sac de l'autre mec. Et donc, je ne sais pas quoi, je peux vraiment regarder... vraiment des gens longtemps, j'adore ce truc, et même leur parler, quoi. J'aime bien faire ça, et d'où mon truc d'attachement au personnage, alors que les scènes, moi, non, mais du coup, voilà, il y a mille façons, mais il faut se nourrir. J'ai le sentiment, quand on se posait la question, où je posais la question à Céline, c'est quoi le moment le plus désagréable? Moi, je trouve toujours, c'est le moment de rentrer à l'intérieur du projet, parce que ça s'écrit de l'intérieur. Et donc vous allez regarder ce truc, on sait ce que c'est, on a, je sais pas quoi, un traitement, une idée, un machin, on a quelque chose, il va falloir faire cette scène, et puis la suivante, et puis, ou réécrire encore. Et ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas le faire de l'extérieur, où on va le faire vraiment très mécaniquement.
on va corriger, on va faire, je sais pas quoi, on va se dire ça c'est un peu trop long, je sais pas quoi. Mais on va le faire mécaniquement. Si on veut vraiment le faire de façon organique et intéressante et ajouter de la vie dans ce truc, parce que c'est vraiment ça le cinéma, ce qu'on va aimer, c'est quand il y a de la vie dans ces trucs-là. Ben, si on veut faire ça, il faut se nourrir et puis il faut rentrer à l'intérieur du truc. Et des fois, ça va mettre un jour, deux jours, trois jours, des fois, ça va être une semaine. Une semaine qui va être vraiment... pour moi, l'enfer, c'est ça. C'est cette semaine-là. Où le téléphone sonne, où le mec dit « Ah, tu me devais me rendre il y a 15 jours », n'importe quoi. On ne prend plus personne au téléphone, on ne peut plus rien faire. Là, on a perdu le goût du pain. On ne peut pas... voilà. Mais vraiment, hein, plus rien ne devient agréable dans la vie parce qu'on a ce truc et il faut rentrer. Et puis à un moment, on va trouver une façon de rentrer. Ça ne sera pas... En fait, on était cons, on se cognait la première scène ou les trois premières pages. En fait, page 20, il y a un truc chouette. Et donc, il faut relire. Moi, souvent, c'est l'exercice que je fais, je relis. Je relis bêtement de la page 1, la page 2, la page 3, la page 4. Puis des fois, page 12, il y a un truc, on se dit « Ah ouais, ah ouais, mais en fait, c'est con. » Mais c'était ça le truc pas mal. Pourquoi on ne mettrait pas ça? Et puis voilà, on a une bout d'idée, puis on va le faire. Puis ça va en donner une autre, et puis on va avancer comme ça. Mais il faut pas se décourager. Ce qui est difficile, c'est de rentrer à l'intérieur. Et puis il faut rentrer un peu armé. Voilà, c'est ce que je pense. Ouais, je suis raccord avec toi. Je pense qu'il faut pas mal prendre l'air dans ces cas-là. Effectivement, se nourrir. Moi, je vais pas du tout au cinéma. Par contre, j'essaie de pas voir beaucoup du tout d'images quand j'écris. Mais par contre, je vais. Ouais, c'est ça. La musique, tout ce qui est pas le cinéma, tout ce qui est pas trop menaçant du coup, tout ce qui est pas trop autoritaire, pas trop fini, pas trop. Parce que bon, moi, les podcasts. Podcasts, je suis un fou des podcasts. Écouter d'autres choses, quoi. Aller voir mais pas tant pour se distraire ou pour aller essayer de chercher là-dedans des idées, mais juste pour se reconnecter à ce qui nous émeut, en fait. Ouais, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut aller chercher des émotions ailleurs, et puis que bah, une émotion, c'est une empreinte toujours de quelque chose, ou alors c'est tout à fait nouveau, alors là, fabuleux, si c'est tout à fait nouveau, c'est nourrissant à bloc, mais c'est rare quand même d'avoir des nouvelles émotions, ou de faire des rencontres, tout simplement, mais ne serait-ce que se connecter à ce qui vous plaît, ouais, à ce qui vous touche, et puis du coup, ça remet un peu le curseur, moins à l'endroit de la performance, de l'endroit où ça devrait fonctionner, mais à un endroit qui serait important pour vous, qui serait... Qui d'une sensibilité, quelque chose de plus émouvant. Du coup, ça, c'est un état qui vous remet un peu dans l'indulgence aussi, dans la tendresse avec ce que vous faites. Enfin, vous voyez, de continuer à avoir un dialogue fructueux avec soi-même, de pas trop s'en vouloir, sans lâcher l'affaire quand même, mais en se disant, bon, bah... Et du coup, ça revient un peu par la bande. Et aussi, moi, c'est à ce moment-là et que je peux aussi m'amuser un tout petit peu avec... avec les questions des autres, c'est-à-dire les méthodes d'écriture, ou je sais pas, les jeux de cartes de Brian Eno, le côté Time's Up de l'écriture, quoi, le côté genre ou pyramide, quoi, le côté en trois, François Mitterrand, ok, écharpe rouge, pyramide, tu vois, des trucs où tu, vous êtes trop jeune pour cette blague, pas tant que ça. soudainement d'être parce que moi, je trouve que justement, les méthodes d'écriture, etc., c'est rigolo à la fin. C'est rigolo quand on sait déjà ce qu'on veut faire et tout. Là, à ce moment-là, ça devient ludique. Soit on a un partenaire de jeu et c'est ça qui se passe aussi. Se déplacer et puis, ouais, et puis être sûr de la curiosité, d'un coup. Voilà. Se déployer, être un peu curieux, pas trop déprimé, être patient, penser à autre chose. Mais par exemple, moi, comme méthode d'écriture, ça je vous le dis parce que c'est rigolo et c'est toujours agréable à faire, plus que, même si moi je les aime bien, les Robert Mackie et compagnie, là, mais Roland Barthes, par exemple, le fragment d'un discours amoureux, moi j'ai vraiment un côté genre, pouf, je prends le truc, clac, là il y a les inédits, donc il y a des nouvelles contraintes et tout. On dit, ok, l'altération. Ah, l'altération, ok. Ouais, c'est quand il y a quelqu'un qu'on aime et puis d'un coup, ah, il nous semble un peu chelou parce qu'il a un bout de salade ou ça c'est trop convenu. Donc non, pas le bout de salade, stop. Mais autre chose qui fait qu'il descend de son piédestal. Bon, bah ça, moi, je peux construire, je me dis, ah tiens, une commande de scène. Ce serait quoi l'altération dans mon film? C'est pas du tout que je veux mettre une scène là-dessus. Généralement, elle reste ailleurs quand on fait ça. Et du coup, de chercher les stimuli, d'aller dialoguer avec des trucs qui... Et que ça reste, ouais, de se reconnecter avec du plaisir plutôt qu'avec de la frustration. Du plaisir ailleurs, du plaisir dedans. On fait des signes disco là-bas, ouais. Bonsoir.
Vous parliez tout à l'heure que lorsque vous écriviez, vous aimiez bien sortir, mais ne pas aller au cinéma. Et du coup, ma question, c'était par rapport au risque du déjà-vu. Est-ce que vous aviez peur de, par exemple, rentrer dans une routine par rapport à votre écriture, ou alors est-ce que vous avez peur de refaire quelque chose que vous avez déjà vu et que inconsciemment ça revient? Et ou alors est-ce que vous avez des techniques pour éviter de refaire ce qui a déjà été fait par hasard? Non, je trouve qu'il y a un truc qui est formidable, c'est que quand on a un souvenir, on se souvient bien si c'est un truc qu'on a vécu ou si c'est un truc qu'on a vu au cinéma. C'est, vous voyez, le cerveau, il fait hyper bien le truc. On ne se dit jamais, autant des fois avec les rêves, on ne sait pas, ça je l'ai rêvé ou ça je l'ai vécu, mais autant on sait toujours si c'était moi ou Robert De Niro qui est passé par là. Et donc, on se souvient. Et le cerveau est bien fait pour ça. Donc, non, je crois qu'on se souvient des trucs du film. Moi, des fois, ça m'est arrivé sur certains trucs de me dire, ah merde, ça vient de là. Mais vraiment, en revoyant, par exemple, un truc ou je sais pas quoi. Parce que des fois, on écrit sur des trucs où on connaît pas tout. Mais donc de temps en temps, je me dis, ah tiens, voilà, ça vient de là. Mais après, moi, il y a un exercice que j'aime vraiment bien faire. C'est à la fin, quand on arrive vraiment à la fin du truc, c'est d'enlever l'échafaudage, c'est-à-dire de relire. Et là, vraiment de relire à voix haute tout le truc et de couper. Et là, je vous assure que si vous faites ça, vous coupez 5 pages. Mais vraiment, à peu près de tout. De dire, ah ben non, là, le cut, c'est mieux de là ou là. Si vous n'avez pas un attachement particulier à une scène ou à un truc, vous allez dire, ben non, ça, il devrait le dire là ou ça. Et ça, d'enlever l'échafaudage. Et là, en fait, en enlevant l'échafaudage, on enlève souvent des trucs qui sont pas essentiels. Et donc, s'ils sont pas essentiels, c'est possible qu'ils viennent d'ailleurs. C'est possible que ce soit les trucs essentiels, c'est quand même rare qu'ils soient piqués ou qu'ils viennent, parce qu'ils sont très particuliers aux personnages, aux scènes, aux projets que vous avez. Par contre, l'échafaudage, on peut l'enlever. Je me souviens de faire ça avec Bonello sur Saint-Laurent, où on a enlevé, à un moment, on l'a écrit, on avait lu beaucoup de bouquins, et à la fin, on a enlevé tout ce qui venait des bouquins. Et en se disant, ben voilà, et puis ça tient, en fait. Et c'est cool, parce qu'en fait, on avait beaucoup construit autour, et puis on l'a enlevé vraiment comme ça, comme un échafaudage. Bonsoir. Je ne sais pas si ça répond beaucoup à votre question. Bonsoir. J'aurais une question sur la recherche. Comment vous entrez au milieu de vos thèmes? Par exemple, dans votre écriture pour un prophète, est-ce que vous avez parlé avec les prisonniers? Est-ce que vous êtes entré dans un prison? C'est quelle quantité à la recherche pour votre écriture? Moi, je ne sais pas si on a des expériences différentes. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je crois qu'il faut en faire un peu, mais pas trop de recherche. Je crois qu'il faut vraiment laisser la place à la fiction. Je ne sais pas quoi, pour un prophète, par exemple. Je me souviens quand j'ai raconté, quand j'ai proposé à Jacques que ça soit un film vraiment en prison, parce que j'avais bossé avec un copain qui avait passé du temps en prison, qui m'a raconté le coup des permissions. Je ne savais pas qu'il y avait des permissions en prison. Et donc, comme il m'avait raconté ça, je me suis dit, ah ben voilà, c'est ce que le mec fait dehors, il va le faire en temps compté dans des permissions. Voilà. Bon, je m'étais juste dit ça. Et puis après, mon copain qui avait passé du temps, et a été notre conseiller, entre guillemets, il nous a fait juste un dessin de comment pouvaient être organisées les... C'est très difficile en France de visiter une prison. Donc on n'a pas pu, jusqu'à très tard dans la préparation, visiter une prison. Mais donc lui, il nous a fait un dessin en nous disant, voilà, bâtiment A, bâtiment B, voilà, salle de prière, le truc. Puis le film, c'était que ça, hein. Il y a deux couloirs, deux escaliers, une bibliothèque. Enfin, la prison, c'est pas plus, c'est une cour. Et puis voilà, et ensuite c'était des questions de genre à quelle heure on reçoit le courrier, comment on sait que c'est l'heure de cours, comment se passe les repas. Une fois que vous savez ça, vous pouvez tout écrire, mais vraiment, à peu près tout. Donc je pense que c'est souvent ça, les recherches, c'est savoir des trucs. Et puis ensuite, après vous écrivez en fonction de ça, et puis quelqu'un qui s'y connaît va lire, va dire, ah bah ouais, c'est exactement ça. Parce que si vous êtes juste sur les personnages, juste sur l'action, juste sur les rapports de force entre les gens et tout ça, vous dites, ah bah c'est un univers de rapports de force. Si vous le jouez à peu près malin, voilà, bah ça, on va y croire. Et après, c'est l'intérêt aussi de voyez la question, est-ce que je l'ai déjà vu? C'est-à-dire, si vous faites un truc... Là, voilà, par exemple, le prophète, c'est un bon exemple de ça. La prison en France,
personne n'avait vu, ou même dans le scénario d'Abdel, la partie en prison, vous voyez, elle était comme dans les prisons aux États-Unis. C'était avec les grandes pelouses, avec les repas pris en commun, avec un réfectoire, vous voyez, ou des trucs comme ça. En fait, parce que c'est l'image qu'on a des prisons, c'est une image américaine, parce qu'on ne voit jamais les prisons françaises dans les films. Et donc, si vous vous attachez à représenter un truc qu'on n'a pas vu, ben c'est vous qui allez gagner. Parce que personne l'a vu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est vous qui allez inventer la réalité. Voyez, et donc, voilà. Et ça, je crois que c'est de l'intérêt d'aller, c'est ce que tu fais, d'aller dans des endroits, d'aller trouver des personnages, d'aller trouver des récits, des histoires qu'on n'a pas vues. On a beaucoup de chance de faire des films en Europe parce que aux États-Unis, vous voyez, c'est des trucs, un bar à Brooklyn, voilà, un mec rentre, mais on sait tout de suite qui est le machin, le salaud, le gentil, le truc, l'alcoolique, la pute. On a vu mille fois, quoi. Alors que vous faites ça, je sais pas quoi, à Dijon, bah ça va être plus curieux, ou à Anvers, bah, ça va parler trois langues, ou je sais pas quoi. Voilà, en Europe, c'est des trucs, c'est pas surreprésenté. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a de la chance. Donc, il faut aller faire des trucs. Et alors, ça ressemble à quoi, un bar à Dijon? Ben, ça va ressembler à ce que vous voulez, parce qu'on ne l'a pas vu. Vous voyez? Et donc, ça va vous donner de trucs. Donc, moi, je pense qu'il faut faire des recherches, un peu. Donc, c'est bien d'aller à Dijon ou d'avoir une photo d'un bar à Dijon. Mais après, ce qui va se passer à l'intérieur, parce que c'est à Dijon, ça va être vous qui allez l'inventer. Et du coup, si vous êtes un peu forte, ben, on va y croire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'où l'intérêt de faire des trucs qu'on n'a pas vus. Moi, je différencie. Quand j'écris pour les autres, pour moi, c'est le metteur en scène qui est en charge des recherches. C'est-à-dire soit de recruter la personne qui est en charge des recherches. C'est pas vrai. Quand j'écris avec Téchiné, il écrit sur... C'est une famille qui vit dans une caserne. Il a envie de savoir comment ça marche, à quelle heure, comment c'est quoi l'architecture. Puis là, le père, il fait la guerre. Alors, il veut savoir où est-ce qu'il localise sa guerre. Ça, c'est son problème. Alors, moi, je suis vraiment je suis l'agent de la fiction. Je serais pas la documentaliste de sa fiction. C'est lui qui doit se documenter ou trouver les moyens de se documenter. Et après, en ce qui me concerne, là par exemple, j'ai fait un film historique. Enfin, historique, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, un film qui se passe dans le passé. Voilà, un film en costume. Et du coup, je me suis documentée, mais je me suis documentée. En fait, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de voir vers quoi vous allez vous documenter. C'était ça qui était. Je me suis dit, par exemple, je ne trouvais aucune documentation en France. J'ai dû trouver des bases de données sur des femmes peintres du XVIIIe siècle. J'ai dû aller en Angleterre. J'ai pris l'Eurostar. Donc ça, c'est intéressant de se dire, tiens, il faut que je me déplace pour trouver cette information, ou alors je vais la trouver en arborescence sur Internet, mais il n'y aura jamais un endroit qui va centraliser ces informations. Donc ça me renseigne, y compris sur ce que je suis. Vous voyez, au-delà de comment de l'accès à l'information, l'information en elle-même, comment j'y accède, quel est le chemin qui me mène à cette information, me renseigne sur les informations que j'ai, où elles sont, comment, puis moi, ce chemin-là, il me renseigne sur le chemin que j'ai décidé de mener. C'est quoi la priorité au final, vous voyez, c'est quoi la priorité pour moi? Puis ensuite, pareil, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'un conseiller historique, bah, j'ai décidé de ne pas prendre une historienne, j'ai décidé de prendre une sociologue de l'art du XVIIIe siècle. Et ça raconte quelque chose de ma démarche, vous voyez, donc ça me renseigne moi-même. Parce que j'ai le choix. Donc moi, je trouve que la documentation, elle est moins intéressante. Enfin, elle est nécessaire parfois, eu égard à ce qu'on raconte. Puis pour soi-même, pour se donner de la légitimité, de la force, de la connaissance. Enfin, ça dépend. Voilà. Mais que par ailleurs, les chemins qui nous mènent aux informations nous renseignent sur notre propre chemin. C'est aussi pour ça que parfois, c'est intéressant. Il y a des gens pour qui l'immersion, ça va être passionnant. Mais par exemple, Ma vie de courgette, le réalisateur, il va dans un foyer, il rencontre les gens... Il sait, je lui demande même pas, raconte-moi, c'est comment, histoire que. Non, pas du tout. Ça, c'est lui qui sait. C'est lui qui veut faire ce film, c'est lui qui a cette idée. Il sait que c'est lui qui va les représenter, c'est lui qui va animer les choses. Donc moi, je suis dans ces moments-là, je suis totalement désengagée de ce truc-là et je lui fais confiance. Hein, et j'ai un grand plaisir, au contraire, à orchestrer cette matière qui est la sienne, qui est devenue la sienne. Voilà. Mais donc la documentation, voilà, pas, toujours, voilà, toujours essayer de trouver son chemin à soi là-dedans, en fait. Hein, en fait, c'est un peu le conseil. Principal. Bonsoir, moi je suis là avec la main qui bouge ici, voilà. Merci déjà pour votre discussion et vos lapsus. D'ailleurs, on m'a demandé de dire que c'était l'avant-dernière question en introduction. Je me demandais en fait là le titre de la conférence, c'est l'écriture au cinéma.
mais il y a d'autres plateformes, d'autres supports de diffusion. Et je me demandais si, en tant que scénariste, on écrivait différemment en fonction de l'écran sur lequel on sait que l'histoire va être regardée, sans poser la question du format sériel, mettons que ce soit un 90 minutes pour le cinéma, ou 90 minutes pour la télé, ou 90 minutes pour Netflix, ou je ne sais pas quoi, qui pourrait être vu sur un écran d'ordinateur, voire même sur un smartphone. Est-ce qu'on écrit pareil au scénario, ou est-ce que c'est des questions qui arrivent après, ça, pour vous ? J'ai pas mal écrit Les Revenants, même si je suis partie en cours de route, mais j'ai écrit un an et demi quand même pour Canal Les Revenants. Ouais. Mais c'est une question qui, pour être honnête, moi je me la repose chaque jour là. J'ai pas une réponse qui serait. C'est pas du tout la même réponse qu'il y a 3 ans que je vais vous faire, ou qu'il y a 5 ans, ou peut-être que dans 2 ans. Parce qu'avant, je vous aurais dit, mais la taille de l'écran, c'est surtout quelle est la question, c'est la durée, la forme. Et puis, est-ce qu'on va chez les gens, ou est-ce qu'on va, quoi. Voilà. Moi, je faisais une grosse différence entre on amène une fiction dans le canapé de quelqu'un, et puis il y a quelqu'un qui sort pour venir voir un truc. Et ça, c'est pas tant une question de taille d'écran que de dispositif, quoi. Et de temps, c'est-à-dire, moi, je trouve que le format sérial, globalement, favorise l'amitié avec un personnage, avec une histoire. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'était le lieu des personnages négatifs. Vous voyez, Tony Soprano au cinéma, c'est pas comme Tony Soprano sur 1h30 ou 25h, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et que le cinéma, c'était le lieu des histoires d'amour, quoi, c'est-à-dire un truc comme ça, et puis c'est un début, une fin. Ça aujourd'hui je le pense plus, enfin je le pense toujours d'ailleurs, je vous le dis, mais je le pense plus avec la même c'est beaucoup moins binaire que ça pour moi. Donc même concrètement, pour vous répondre à la taille de l'écran, si je devais mettre en scène un truc où je me dis c'est pour un smartphone, bah, je pense que oui, j'y réfléchirais, que je le mettrais pas en scène de la même façon, quoi. Mais je me suis pas ça va tellement vite, là, pour le coup, ces questions-là. Parce que là, on voit les négos, on dit, ah ouais, ben, c'est Netflix, mais ok, c'est pour un ordinateur portable, mais en même temps, les gens ont des rétroprojecteurs chez eux. Et par ailleurs, en France, si on le fait pour Netflix, peut-être qu'on pourra sortir au cinéma. Vous voyez, ces grands compromis, là. Donc j'ai l'impression qu'on ne se pose même pas la question tout à fait très... qu'on n'est pas confronté réellement à la question, en vrai, formellement, si fort que ça, nous, aujourd'hui, en France, que c'est un peu... qu'on peut vous répondre des trucs un peu poétiques là-dessus. Et donc, je ne sais pas, peut-être que tu vas être moins poétique que moi. J'ai écrit j'ai écrit l'année dernière, une série, mais c'était 4 fois 1 heure, donc c'est pas vraiment une série, genre 12 fois 12 Michel heures, et Françoise, vous n'avez pas vu ? Vous n'avez pas vu Michel et Françoise ? Ça se passe en prison, vous n'avez pas vu ce truc ? Ouais, vous ne sortez pas. Et j'ai écrit ça, c'est pas fait encore, ils n'ont pas fait. Mais je crois qu'on se pose à chaque fois. À chaque fois, mais même au cinéma, on se pose la question de comment ça démarre, comment ça s'enclenche, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a 3 actes, je sais pas quoi, ou est-ce que c'est en fait un truc en 2 parties. On essaye à chaque fois de briser les attentes, de déjouer les programmes, c'est vraiment ça. Je sais pas quoi, dans les Cowboys, j'ai pris un héros, puis putain, je l'ai tué au milieu du truc, puis j'ai fait un autre film, après, enfin derrière, ça continue. Donc ça veut dire que le film, c'était pas, on croyait que c'était l'histoire de lui, ah, mais non, c'est l'histoire de l'autre, mais non, en fait, du coup, c'est l'histoire des deux, et ça devient autre chose. Je crois qu'on aime, on essaye de déjouer ça, et c'est la même chose. Moi, j'ai eu le sentiment, en écrivant là, une série, un truc 4 fois 1 heure, 4 fois 50 minutes, je sais pas quoi, c'était pour HBO, alors on a un peu de temps comme ça, mais c'est pas 52 minutes pile, donc cahier des charges n'est pas fou, mais on peut, j'ai eu le sentiment que ça avançait, qu'il fallait tout le temps que ça avance, que ça avançait pas en acte, mais qu'il fallait que toutes les 8 minutes, mais qu'est-ce qui va se passer ? Ah oui, il y a ça, puis après, ou toutes les 10 minutes, quoi, qu'il fallait que ça rebondisse sans arrêt. Que j'avais, c'était sur une prise d'otage, et donc, c'était une prise d'otage, et il fallait que ça avance comme ça, et que sans arrêt, il y ait un truc. Et donc, quand je n'arrivais pas à faire ça, j'allais chercher, je relisais ma documentation, mes trucs, c'était un événement réel. Et donc... Je recherchais ça pour essayer de trouver quel personnage pourrait m'amener. Et donc, j'avais le sentiment qu'il fallait que ça avance comme ça, parce qu'effectivement, sinon, moi, je vois bien comment je consomme les séries. Je regarde un peu au début, puis après, je trouve que ça se répète, puis j'arrête. Et donc j'ai le sentiment, voilà. Mais c'est une question qu'on se pose de toute façon, je crois, surtout au cinéma. On écrit quand même surtout pour le cinéma. Mais on se pose à chaque fois, comment est-ce que ça va avancer, ce truc ? Est-ce qu'il y a un point de vue, 2 points de vue ? Si c'est une histoire. Voilà, comment est-ce que, ou 12 points de vue, et comment ça va avancer. Voilà.
Mais c'est dur de répondre. Par exemple, là, il y a des formats, c'est du 10x10. On sait que c'est conçu pour... c'est des formats sériels, mais qui sont conçus vachement pour que les gens les regardent dans le métro sur leur téléphone et tout. Trop bien. Enfin, tu vois, moi, je... Mais après, il y a des formats mais auxquels on croit. Mais tant que je ne me suis pas confrontée, je suis incapable de vous dire... même d'avoir une expertise ou même un point de vue. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi qui savent bien mieux et sans doute comment ça marche et comment l'écrire et qui ont des idées beaucoup plus fortes là-dessus que... Et qu'on ira chercher. Et qu'on ira chercher. Qui nous tueront, et tant mieux. Blabla. Pourquoi est-ce que vous écrivez pour des acteurs que vous aimez, que vous admirez, pour des acteurs, des actrices en particulier, ou c'est au fil du scénario que vous écrivez, ou vous pensez à un tel acteur ou à une telle actrice, ou c'est dès le début parfois vous avez... Moi, ça m'est arrivé une fois d'écrire vraiment pour un acteur, de me dire ah, j'aimerais tellement que ça soit, mais pas parce qu'il était là, parce que j'aimerais vraiment que ce soit lui. Une fois, et il a dit oui. C'était vraiment le bol. Mais s'il avait dit non, je pense qu'il aurait fallu que je réécrive le truc. Parce que je me suis dit, il n'y a que lui qui va porter ce machin-là. Ça m'est arrivé pas récemment. Mais sinon, non, moi, je pense jamais au casting en écrivant. Mais jamais, jamais, jamais. J'y pense une fois que voilà, une fois que j'arrive à la V2, la V3, qu'on me pose la question 12 fois et que je suis bien obligé d'y penser. C'était Michel. Pardon. C'était Michel. Qui va jouer Michel? Et là, bah. Michel Blanc. Il a dit oui. Et là, c'était blanc ou noir. Moi, j'ai écrit surtout pour des jeunes gens, donc même en écrivant d'ailleurs pour les autres, donc. Il y avait d'emblée, oui, on pensait au casting, mais comme une chose qui était genre justement, on va rencontrer quelqu'un. Voilà. Et ça m'arrivait. Non, oui, quand j'écrivais avec Téchiné, je savais que c'était pour Kiberlin. Et c'est vrai que ça. Je me disais en tout cas, tiens, je sais qu'elle peut rentrer les blagues. Et donc, sur une forme. Ça donnait un peu de courage pour avoir de l'humour, par exemple. Ça m'aidait, c'est vrai. J'ai été contente de penser à elle. Et là, bah, sur mon prochain film, moi, j'ai écrit en pensant à Adèle Haenel, donc en construisant même le film en pensant à ça. Ouais. Mais c'est pas le premier rôle, donc c'est pas non plus tout à fait. Les cowboys, par exemple, on a réussi à, enfin, je sais pas quoi, on a eu des financements sans casting du tout, et du coup, après, il y a eu une pression pour trouver quelqu'un. Mais sinon, non, c'est vraiment le plus tard, le mieux, moi, je crois vraiment. Il y a même un plaisir à. Ça peut être une question un peu. Faut pas se la poser trop tôt, ouais, je pense. Ouais, mais sinon on va se limiter. Moi, je crois toujours qu'on se limite le personnage, parce qu'on a une vision forcément qui est un peu restrictive de ce que peut faire un acteur ou je sais pas quoi. Et puis on va limiter aussi ce que l'acteur, qu'on peut demander à l'acteur, alors que je sais pas quoi, voilà, alors que d'aller chercher des contre-emplois, des trucs, des choses qu'on n'a pas vues, ça va être chouette. Justement, la conversation avec le directeur de casting, elle va être vraiment riche là-dessus, sur le niveau de réalité du film, sur ce qu'on attend des personnages, sur tout un tas de trucs. On a une question ici au fond. On s'est dit que ce serait peut-être la dernière, si vous êtes d'accord, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Non, c'est fini. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Non, la dernière arrive maintenant, si vous êtes d'accord. Bonsoir. Bon, ce ne sera peut-être pas la meilleure question pour une dernière question, mais je me demandais, est-ce que vous, parfois vous permettez de sortir un peu juste du rôle de scénariste, notamment quand vous écrivez pour quelqu'un qui va réaliser le film, quelqu'un d'autre, en ayant des considérations techniques quand ça a du sens, par exemple, si vous dites, là, il faudrait absolument, je ne sais pas, un panneau 360 sur cette scène-là, parce que ça a du sens. Où là, il faut que la caméra descende ou tourne. Est-ce que vous pouvez vous permettre, je sais que c'est pas très recommandé dans les scénarios de montrer ce qu'on veut à l'image, mais est-ce que vous pouvez parfois dépasser si, moi, je viens de il y a plusieurs écoles, hein, mais c'est hyper recommandé de montrer ce qu'on veut à l'image dans un scénario. Quand vous réalisez, mais... Mais non, de toute façon, parce que ce que vous écrivez, c'est pas une histoire, c'est un film. Donc, par contre, il faut être un peu habile. Alors, si vous écrivez la caméra, bon, te descend et puis revient et puis truc, ça va être vraiment pénible à lire. Par contre, si vous dites là, vous voyez, quand vous allez écrire chaque, si vous êtes un peu habile,
vous allez dire je sais pas quoi, et là sa silhouette s'éloignait et truc, bah, je vais savoir que je suis en large, ou puis là machin, il regardait ses mains qui étaient posées sur la, bah voilà, là je sais que je suis en serré, enfin voilà, puis vous allez l'indiquer comme ça avec le sens de votre phrase, il s'éloigne, et même si vous écrivez, je sais si la caméra va le suivre ou s'il s'en va, c'est ça qu'il faut faire. Et donc ça, c'est vraiment important de le mettre. Hein. Ça, si vous en faites l'économie, vous allez écrire un truc qui va ressembler à un article de journal. Non, mais enfin, je suis catégorique là. Mais... Oui, oui, il faut. C'est très difficile de pas penser à la mise en scène quand on écrit et qu'en plus on est co-scénariste, mais qu'on est aussi metteur en scène. Moi, je considère que ça fait. Je peux pas me couper en deux. Je peux pas cesser de penser à une chose. Et du coup, même je me propose comme ça. Je me vends. Ça fait partie du package qui est. Ah ouais, pareil. On va penser le film globalement comme ça et on aura ces discussions et on va aussi du coup parler de scènes, donc de plans, de et le réalisateur, de grammaire, il va y avoir une demande pour ça. Il y aura une, voilà, et après, pour autant, est-ce que ne pas le faire, enfin si c'était pas possible de le faire, je pense que du coup même j'arrêterais d'être co-scénariste, ça serait impossible quoi aujourd'hui. Mais même et sur les, alors autant non avec des réalisateurs chevronnés non, mais encore, en tout cas sur quand on accompagne des premiers films, il y a vraiment cette idée même de moi pour moi de parler de production, de parler de budget, de leur transmettre tout ce qui est possible de, voilà, on est un accompagnant du film, on n'est pas juste un scribe ou un, voilà, quelqu'un qui serait, donc de penser la forme globalement, la production, de dire mais attends, mais non, mais regarde là, de réfléchir, mais attends, mais si le film on le contient dans ce budget, par ailleurs tu seras plus libre pour faire ci et ça et on pourra avoir de la radicalité ici, de penser les films globalement, toujours les films ensemble quoi. Absolument. C'est vraiment, et c'est, ça qui... et c'est le grand plaisir de travailler avec des réalisateurs. Mmh. C'est qu'ils vont être, ils vont demander ça et puis effectivement on est embauché pour ça. Mmh. Et ça fait partie du truc, et puis après des fois si c'est vous qui le réalisez, ben c'est vous qui allez avoir la décision, ou si c'est pas vous, ben c'est ça. Mais sinon, vous voyez, il y a un moment très difficile dans un film, c'est le moment où ce truc devient réel. Vous voyez, vous écrivez une histoire, c'est dans votre tête, vous êtes là, puis vous parlez même avec un scénariste ou avec un réalisateur, puis c'est dans deux têtes là, et puis à un moment, ce truc, il faut enclencher le machin pour que ça devienne vrai. Vous voyez, pour que tout d'un coup, ben, on va embaucher un gars qui va faire des, je sais pas quoi, des repérages, des trucs. Un mec va faire la musique en même temps. Ben, je sais pas quoi, dans quel ordre ça va se passer. Mais ça, c'est ce moment-là, ce truc-là. Et ben, c'est ça qu'on accompagne. C'est ça. Et on peut pas, je crois pas du tout, moi, au rôle de scénariste qui dit, eh ben voilà, mon histoire, c'est ça. Michel, Françoise, et puis voilà, là, ils sont sortis de prison. Salut, au revoir, monsieur. Et bonne chance pour votre film. Vous voyez, c'est pas ça. Je crois pas du tout. Je crois qu'il y a un vrai truc d'accompagnement de ça, et même de réécrire. Moi, je crois beaucoup à réécrire une fois qu'on a le budget, une fois que c'est casté, une fois qu'on a les décors, de refaire un pass sur le truc avec le premier assistant ou avec le directeur de prod, parce que là, changer une scène, se dire ce dialogue qui était dans la voiture, s'il était dans la cuisine, et on gagne un jour de tournage, enfin pour mille raisons. Et donc ça, c'est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de confronter son truc à la réalité. Et ça, le scénariste, je crois, peut accompagner vraiment, et se doit même souvent d'accompagner ce truc vers la réalité. On peut perdre des gens, parce que sinon c'est facile d'être scénariste et dire, ah ben alors là, l'hélicoptère arrive, t'en fais pas mon vieux, tu l'auras, et puis je sais pas quoi, et puis au revoir, et puis après il est là, et puis il a pas d'hélicoptère, et il y a une mobylette. Ça va être plus chiant. Enfin voilà. Non, il faut le faire, hein. Il faut écrire des films. Et c'est avoir de l'ambition quand on coécrit. Bon, là, peut-être que vous parlez pour vous-même, que vous écrivez votre film, etc. Donc c'est autre chose. Mais il y a cette idée, moi j'ai l'impression que j'ai de l'ambition pour les metteurs en scène pour lesquels j'écris. Voilà, c'est vachement pour eux, quoi. C'est pour ça que c'est épuisant et super beau en même temps. Hein. Ça vous sort de vous et tout. Mais il y a vraiment un truc où du coup... Ouais, on veut pour eux. Alors ça change selon qui est en face de vous. Je sais pas. Ouais, moi quand je travaillais avec Téchiné, je me disais, ah, moi, je veux qu'il fasse un film de jeunesse là. Je veux qu'il, je sais pas, je veux que ce soit physique. Et puis il a envie de filmer ses paysages. Donc comment on va faire une place à la nature? Et je me suis cassé la tête pour faire une place à la nature sans que ce soit place à la nature. Vous voyez, cassé la tête. Alors. Mais c'était pour lui. Et parce que j'arrivais à synthétiser. Il m'avait dit, ah, j'ai envie de filmer des paysages. Et puis la jeunesse. Et machin. Je me suis dit, comment on fait quoi? Du coup, comment on va mettre ces jeunes gens dans un paysage sans que ce soit genre extérieur, jeunes gens dans un paysage. Donc, et ça, on sait tout. Donc, on est vachement en responsabilité. C'est ça qui est épuisant, parce qu'on sait ce qu'ils veulent.
On sait ce qu'ils veulent, on sait ce dont ils ont envie, parce qu'ils nous l'ont dit, c'est pas, et on a de l'ambition pour eux. Et on doit faire l'équation sans cesse. Mais c'est pareil pour vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. C'est plus dur quand vous êtes. Il faut être aguerri. Poser la question tout seul. Mais la question de ça veut dire quoi pour eux le film ? Ça, c'est vraiment quand on travaille avec un réalisateur, c'est vraiment une question. Ça raconte quoi de lui maintenant ? Je sais pas quoi, il vient d'avoir un enfant, il a perdu sa mère, et il déménage, ce qu'on veut, il refait sa cuisine, il s'est mis à la gym, je sais pas, mais il y a un truc, ça va me raconter un truc de ce moment. Qu'est-ce qui fait que ce réalisateur trouve qu'il y a quelque chose qui brille là-dedans ? Si c'est pas vous qui avez trouvé le sujet, ben il faut aller chercher, puis il faut être avec lui et accompagner ce truc. Et cette question-là, quand on écrit pour soi, on se la pose trop tard, enfin on se la pose beaucoup plus tard, parce qu'on va écrire le truc, et puis... Qu'est-ce qui fait ce truc ? Enfin, je sais pas, moi, quand j'écris pour moi, je suis le dernier à me la poser, alors que quand j'écris pour les autres, c'est vraiment, je les observe, je regarde les réalisateurs pour essayer de comprendre ce truc, et puis j'ai vu tous leurs films, et je me dis, ah ben cela, comment est-ce qu'on arrive là ? Et je pense vraiment que la place du scène, c'est-à-dire qu'on va venir vous voir en disant, mon film, il est là. Et le travail du scénariste, ça va être construire l'escalier qui a amené le film, les spectateurs, là, dans le truc. Et de ne pas baisser ça, de le laisser là-haut, mais de construire un escalier qui va me faire que tout le monde va entrer. S'il n'y a pas cet escalier, il y a 12 personnes qui vont aller voir ce film. Et donc là, non, il faut le construire, il faut amener jusqu'à ce soleil-là. Quoi. Et quand vous pensez au plan, parce qu'en fait, vous parlez de plan, ça, c'est un peu... Oui, c'est un tips, quoi. C'est penser à... Où commence la scène et où elle se termine. C'est une façon pour le scénariste de faire acte de mise en scène, là, tout de suite. Où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle se termine ? Est-ce qu'elle commence quand les gens se disent bonjour et elles se disent au revoir ? Ou est-ce qu'elle se commence avec une claque dans la gueule et puis une porte qui restera toujours ouverte ? Et c'est la question du rythme, ça pose la question du rythme de la scène. Donc c'est sur ces questions de rythme qu'en fait qu'il y a une empreinte de la mise en scène dans l'écriture. Donc pour vous répondre concrètement, plus concrètement, parce que bon, on est exhaustif en fait là. Ouais. ça sera moins, oui, un plan à 360 ou un long panoramique sûr, mais l'endroit où ça commence et l'endroit où ça se finit et le rythme, la durée de la scène, etc. Ça déjà c'est quand même des marqueurs très très forts d'une stylistique. Qui soit par dans une grande fluidité organique, soit par contraste avec le reste, racontera quelque chose de l'ordre d'une signature de mise en scène qui sera la vôtre. Absolument. Et chaque phrase, normalement, je saurai où est la caméra en fonction de ce que vous avez écrit. Je lirai et je saurai où vous la mettez, vous, scénariste, la caméra. Et après, vous êtes d'accord avec le réalisateur, pas d'accord, mais vous me le direz, ça. Je le lirai dans votre truc. On est bien ? On va boire un coup. Merci. Merci les gars.